Et on se Bah, je démute, pense que c'est mieux. feu-te-te, ça. À mon avis, ça va nous porter la poisse, tu vas voir encore. J'ai mon fils tout à l'heure, quand j'ai été le coucher, qui m'a dit: Papa, j'ai un peu mal au ventre ce soir. Ah non, Ça va se hein? retransformer en Ah geyser de chiasse. non! Ah Bon, bonjour les gens, moi j'ai démarré mon stream. On est avec prof de matous. Coucou! Salut le Coucouille. stream d'Aïpierre! Coucouille! Coucouille, exactement. Et on va faire du feu teuteux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du feu teuteux. Et j'essaye de... Bah pour Ah, toi, ouais. logging in. Pour toi, moi je m'y connecte au moins une à deux fois par semaine, j'aime bien, Et j'en j'adore le ai mode pas hack. refait en fait depuis le lancement de l'ICUB parce que Olicube, Arc, etc. Ouais, bah Ça ouais. prend trop de temps. Et on voulait se refaire. Bah déjà pour fêter ton arrivée sur Level Down quand même, hein, n'est-ce pas monsieur? Ouais, c'est vrai ça. J'ai fait un premier stream de test avant-hier. Je pensais que j'allais faire ça en plein milieu de l'après-midi. Genre, il allait avoir 3-4 P, on était 1500. Je fais bon, d'accord, ok. Donc, j'étais pas en live de test. Mais ça a super bien marché. Putain, Tu m'avais bien conseillé. je dis salut, mais on est que deux. Non, mais c'est nickel. Oh putain, t'as vachement avancé, mec. Waouh, c'est swag. On va faire un petit tour du propriétaire. Non, mais Bah ouais. ouais, t'as bien tout configuré. Alors, effectivement, pour le widget, je te dirais ça. Ça a changé, Ouais, c'est effectivement. T'avais bien raison. Donc. Bon, bah tiens, tu me fais une petite présentation de la maison, là. Ah bah oui, écoute, allez, vas-y. J'ai encore faim, putain, j'ai tout le temps faim dans le jeu, c'est drôle. Je l'avais pas vu, donc prof avait commencé, moi il faut que je refasse des épisodes. Oh putain, il y a un pont à la Indiana Jones ici. Oh, mais c'est trop classe, mec. T'as vu, il commence à être joli notre petit village, ouais. Ah ouais, bah oui, ton petit village, je vais pas participer des masses. Mais ça, tu vois, là, ça me redonne envie d'y jouer, tu vois. Clairement, là. Mais honnêtement, je m'éclate. En fait, si tu veux, j'essaie vraiment d'allier la pierre, les trucs jaunes et tout le côté un peu village. Puis même les câbles électriques, je trouve ça trop beau, tu vois, qui pendouillent à droite, à gauche. Regarde, il y en a plein là-bas qui sont reliés à toutes tes machines. Et puis de faire des baraques avec des devantures comme ça, je trouve ça. Regarde, même les portes. J'ai fait des portes custom. Il y a un mode qui te permet de faire des portes où tu choisis tous les matériaux. Ah, oh, c'est T'as trop vu? classe, avec des vignes et tout. Ah, attends, je vérifie juste au niveau du stream que c'est. Ouais, si, c'est bon, c'est bien parti. J'étais pas sûr parce que j'avais des messages comme quoi ça marchait pas. Ouais, c'est classe ces portes-là. Bah ouais, en fait il y a un mode où tu peux, Tu tu quoi, verras, tu il y a un. custom? Ouais, ça je l'avais déjà vu. Tu customes le haut et le bas, c'est ça, et le contour aussi. Le contour, ouais, ça. Et là, regarde, bah là, tu vois, j'ai retapé là ton truc là, parce que lui, il est arrivé, il a fait un truc Ah, dégueulasse j'ai là fait avec un tous ses truc câbles. dégueulasse! Et regarde comme c'est propre à Mec, l'intérieur en plus, maintenant. attends, t'as vraiment fait des powerheads lanternes. Oh, c'est trop cool. Ouais, je commence à en faire, regarde. Wow! Tu vois, ça fait vraiment Oh, mais super attends! rigolo. On dirait presque un miroir ce truc-là. Ah non! Ah, oh, c'est quoi ces hémisphères? Ah, c'est pour pas marcher dans la lave. C'est trop classe. Ouais, Putain, mais comme c'est quoi. excellent. En vrai, bienvenue Franck Bourdeau. En vrai, tu te démerdes vraiment pas mal en déco. Hein. Très honnêtement, Bon, je sais pas, en tout cas, je m'amuse. Non mais c'est clairement pas dégueu, j'avais pas encore vu tes talents de Ouais, de décorateur décoration. intérieur, le T'as fameux The vu Prof ça? de Damido. Et en haut, bah regarde, si On n'a tu pas veux un venir The voir Prof ta de dé... forge, je suis en train de la. J'étais en train de bosser tout doucement Ouais, sur la forge et tout, là, tu elle vois. prend forme. Bah alors, en plus c'est cool, bah du coup ouais, je vais laisser la machine là, moi qui pensais que c'était un truc temporaire, bah tu sais quoi? Oh bah écoute, je t'ai fait un espace de travail, tu vois, t'en as encore un là pour bosser, et au-dessus, tu peux travailler au-dessus, t'as un deuxième Ah ouais, étage. non mais Mais le problème, ouais, c'est je que vais les pour y accéder. aménager. Regarde, pour y accéder, pour le moment, le deuxième étage, c'est un peu compliqué, tu vois, t'es obligé de passer par là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, bah écoute. Pourquoi Mais les gens ont j'adore, su... honnêtement, le mode pack est super rigolo, quoi. Donc, Ouais, il de... me Oh. motive. Mec, la petite Siri là, ça se fait à la main ça? Ah ouais, tu découpes comme ça. Non, le mode pack est vraiment sympa. Le fait qu'il n'y ait pas de truc complètement pété et que ça soit plus... En plus, tu l'as tourné en thème village gaulois et c'est vraiment sympa. C'est ça, bah c'était ce que je t'avais dit, hein. Je voulais vraiment rester un peu dans le Ah, c'est la petite tribu quoi. Bon, dans les cette mecs, c'est bon, vous ambiance, ouais. voyez bien. Si, Damon, j'ai vu. Tu ne devais pas te reposer aujourd'hui. Ah, bah ouais, non, finalement. En fait, je me suis reposé toute la journée. Et on fêtait l'anniversaire du ptio. Et bah, du coup, ce soir, je me suis dit, ça passe. Tranquillou. Petite soirée tranquille. Ah, là, t'as fait une petite farming station. Elle fonctionne au fait ou pas? Ouais, il faut juste que je lui remette une houe. Et en fait, tu vois, regarde, même les câblages arrière, j'ai essayé de bien les faire passer en dessous pour pas que ça se voit, tu vois. Et comme ça, en fait, ils vont directement se ranger dans notre truc à bouffe. Mais là, il faut juste que je remette une houe. Ah J'en ouais, c'est avais. bien planqué. Bon, c'est bon les mecs, vous voyez bien le stream ou pas? Spammez hein, dans le chat, parce que moi je vois rien. J'avais pas une houe il y a 2 secondes, c'est quoi ce bordel? Bon, je vais en faire une. En tout cas, je... C'est joli. Là, je reconnais ma petite machine.
qui est bien. Ah putain, c'est quoi le glitch là-dessus? Qui est bien relié comme il faut. Putain, tu t'es bien démerdé pour faire passer les câbles aussi. Ouais, j'ai galéré ça parce que je voulais vraiment les laisser apparents, quoi, tu vois. Ouais. L'idée, c'est à un moment donné de mettre plein de câbles qui vont relier le village qui est pseudo-moderne, en fait, tu vois. Ouais, t'as vraiment laissé le poteau. Peut-être, tu as peut-être à peine bougé, mais. Oh, Et puis, putain, toi, et là, il les arbres, passe le regarde. câble alors que mec, il est à moitié dans le truc. Bah, en fait, c'est parce que j'ai posé le câble, les blocs après le câble. Bon, enfin, c'est une Ça l'a stratégie. pas fait Et là, sauter. regarde, ici, tu vois, je fais plein d'arbres custom, mais en bouleau, parce que je trouve qu'il n'y a jamais personne qui exploite le bouleau, tu Ouais, c'est ce que j'ai vu. vois. Ça... Bah ça rend bien. Ouais, ça fait C'est sympa, joli ça avec des change un petites peu. barrières. Hein. Ouais. Non, c'est Il commence quand en cool. fait? Vous êtes les pires en fait, vous me trolliez. Oui, on voit. Oui, c'est bon. Oh, Fabien s'amuser. Nice. Bah ouais, bah écoute, je vais reprendre tranquillou. J'avais le projet de faire une grosse usine et je pense pour le coup il me faudra... Ouais, que je regarde, faudra que j'étudie exactement comment on fait ça. Hop, là je vais voir pour assembler le matériau ce soir, ce genre de choses. Alors. Mais il faudra peut-être une hutte à part entière. Il va nous falloir des... Tu sais, faudra... bah, comme t'as fait là-bas un champ de blé... T'as ramené des vaches. Ouais. Un petit champ de blé, il nous faudra un champ de... Oh bah tiens, t'as déjà préparé une hutte ici. T'as prévu de construire quoi Yeah. là-dedans? Je sais pas, peut-être mettre des animaux, j'en sais rien, ou sinon tu peux faire n'importe quoi. Est-ce que t'as envie? Si t'as envie, tu peux la prendre. Je voulais mettre au début des animaux, mais je sais pas trop encore comment l'aménager, donc je l'ai juste construite, mais je sais pas. Bah écoute, on va voir. Putain, c'est vraiment cool! Je suis impressionné. Profouné. Bon, on avait tout déménagé de ma base, hein, il restait plus rien. Pour la cam à prof, qu'est-ce que t'as balancé? Attends, je regarde vite fait. C'est quoi le pack? C'est le pack custom. Oh, on a déjà répondu 36 000 fois à ces questions, les mecs. Du coup, t'es en stream tranquillou aussi de ton côté? Ouais, sur LD, j'ai mon petit chat tranquille. C'est chaud. Comment... T'as trois écrans, toi, ou pas? Putain, moi, il n'y en a pas assez de deux écrans. C'est trop petit, je De trouve, deux quoi? écrans. Non, mais deux écrans. Oh, voilà, deux écrans, mais ils font la même taille. Et du coup, ouais, j'ai les deux chats, le retour, le Tipeee. Ouais, Merci c'est le ça geek du aussi. fiel. Mais ouais, faut prendre l'habitude. Putain, j'adore les ponts, mec. C'est con, mais. Bah c'est super facile, c'est des co-craft en plus. Ouais, je connais ça. J'en ai déjà fait des Hanging Bridge, mais je sais pas, je trouve ça rentre trop bien. Bon, alors dans Bon, j'ai l'idée, déjà. si tu veux savoir qu'est-ce que je voulais faire. Attends, il est où mon bouquin? Engineering Manual. Il fallait réussir à faire. Merde! Faut faire du pétrole. One or two flints, the most common artist. Voilà, pour faire du biodiesel. Et une fois que tu fais du biodiesel, Je me vais. générateur, il faut un diesel générateur. Un diesel générateur. Voilà, ça a besoin de biodiesel. Il faut que j'ai les ratios pour savoir combien il faut que je produise. Alors, Alors déjà, je peux rassembler les blocs qu'il faut. ah, je vais finir les petits tunnels, moi. On va Allez. faire des... Alors, le stockage, il est toujours au même endroit. On y accède toujours par la télécommande, hein, on est d'accord? Ouais, ça a pas changé. Ok, nice. Et là, je suis en train de faire les petits tunnels pour qu'on puisse descendre derrière la forge, là, justement, facilement dans nos tunnels. Toujours le petit endroit pour se faire de la bouffe. Le petit intérieur de la maison. C'est cosy. Ah! Excellent, t'as fait ça pour les toilettes. Ah bah non, y'a pas de toilettes. C'est la partie serveur ici, c'est pas les toilettes. C'est sur... Ah, c'est ça, regarde, le bloc pour faire les portes, tu vois celui-là? Ce Door bloc-là. Factory, c'est Malizys Door. Ah ouais, Ouais, moi c'est ça. il était différent à l'époque. Je l'ai vu il y a très longtemps ce mode-là, hein. C'était encore un 1.4 je crois. Il était assez différent. Tintin. Merci the prof de maths, mais pas de date. Pourquoi pose le prof de date? Qu'est-ce qu'il dit lui? Il veut se C'est con. battre? Alors Tu veux te ouais battre ou mec, quoi? les petits dinos comme ça, on va les virer. Je sais pas si t'en as mis certains, c'est ça qui fait laguer au fait. Hein. Ah bon? Ouais, les problèmes de FPS et compagnie, on m'a confirmé que c'était ça. Le modeling est mal fait et du coup, dès que t'en mets... Bon là, il n'y en a qu'un, mais si on commence à en mettre plusieurs, c'est l'enfer, ça fait des lag Ouais, ben non, il spikes. n'y en a pas d'autres, donc du coup... Du coup, ouais, non, j'en avais chez moi, moi ça faisait de lag spikes chez moi, ici ça a pas l'air Bah là, de l'enfer. étrangement, tu sais quoi, je crois que j'ai l'impression que j'ai gagné en FPS d'un coup. Je C'est te mon jure que c'est arrivée, vrai. c'est flamboyant, ça illumine un peu tout. Mais par contre, des fois, je te vois avancer trop vite, j'ai l'impression.
Oh, j'ai peut-être des mini lags. Hein. J'ai mes parents qui sont chez moi, donc ils pompent un peu la co. Comment ça, il pompe la co? Touche chez lui, là! Donc, par moment. Bon, alors, on va arrêter de se balader, on va construire. Aurélien a arrêté FTT hier soir parce que selon lui, ça n'avançait pas assez vite. Ben, en comparaison avec un FitzPatrick, c'est pas les mêmes modes en fait. Mais au final, moi je trouve ça au contraire plaisant. On prend notre Ah temps. ouais, c'est exactement ce que Et au j'allais dire. final, tu vois, quand tu le tournes dans le bon sens, comme prof l'a fait, en termes de déco, là il y a plein de trucs qu'on pourrait pas faire sur du Minecraft Vanilla et tu peux t'éclater un petit peu comme sur un Holy Cube, mais C'est version ça. modée. Cette Et pièce je est. vais même te dire qu'il y en a, il y en a, moi je trouve qu'ils avancent trop vite et du coup ils nous font laguer le serveur et ça me fait chier. Moi j'aimerais bien encore avancer plus lentement, prendre mon temps de faire mon petit Ouais, pour village. prendre le temps de. Je pense que ouais, on prend plus assez le temps de construire tranquillement, de se faire plaisir, tu vois. Tout le monde va avoir la plus grosse quéquette. Il y en a dans le channel qui disent: Ouais, je l'ai fait 12 millions de KRF et de machin. Mais on s'en fout, construire une belle maison. On est dans Minecraft pour faire des beaux trucs. Mais tout pété, moi. J'avoue. Alors Vive attends. la scole. Bah heureux caca à toi. Moi, j'ai adoré tout à l'heure une remarque sur mon Instagram où ils me disent mais en fait, tu manges tout le temps parce que je mets beaucoup de photos de bouffe. Je fais, mais en même temps, je vais pas te mettre, je fais des photos quand je fais caca, quoi. Tu vois, quand Tu devrais il mettre est une con, photo où lui. t'es sur les chiottes en mode je fais caca. Je Je suis fais sûr que t'aurais caca. masse like en vrai. Hein. Bon, donc du coup, les mecs, on va devoir faire ça. Diesel générateur. Alors, moi, je vais faire. Alors, ça génère énormément d'énergie. Donc, avec ça, on sera bien. Je voulais faire beaucoup d'énergie, mais je sais plus pourquoi. Ça avait une raison. Bah j'espère, ouais, parce que faire de l'énergie pour faire de l'énergie, je vais t'engueuler. Non, mais c'est cool. Mais j'avais une Non, par contre, raison. t'as vu ce qu'Alex Click il a fait? C'est pas mal. Ça, si tu pouvais faire un truc comme ça, Ah, j'ai pas j'adore, suivi quoi. du tout. Il a fait quoi? Elle est où sa Bon, base? Tu sais ou? il a fait un espèce de truc qui fait qu'en fait, il fait recycler automatiquement des carottes avec une ferme. Et la ferme, ça va dans du biocarburant, et puis ça génère de l'énergie, puis c'est stocké Oui, bizarrement et tout. bah c'est ça que je veux faire, mais avec Ah bah normalement on ouais. peut le faire avec du melon, je crois. De la Oui, bah pastèque, c'est peut-être, encore ouais. mieux. Ah, c'est pour l'excavateur, exactement. Faudra qu'on teste l'excavateur qu'on mettra en dehors dans notre base. Bon, du coup, on a besoin d'un diesel générateur. On a besoin, si je dis pas de bêtises, d'un squeezer. Of all out of organic material, voilà. Le seul problème, ensuite on a besoin d'un. Ah, ou c'est un fermenteur. Faut que je regarde parce que je connais pas assez bien. Ça va être stream tranquille, les mecs. Hein. Souvenez-vous, la dernière fois, Tu te souviens pas le dernier stream Les streams avec moi, ça part souvent, on fait plus rien et on n'avance pas. Le dernier stream Feed the Truddy que j'ai fait avec toi, on n'a rien fait pendant 4 heures, je C'est crois. C'était le retour des vacances, on a parlé de jour de l'an et tout. vrai, c'est vrai. Merci Monsieur Henry, chez le Geek du Fiel. J'ai trouvé ce que vous avez fait à Miami. Attends, je regarde. Qu'est-ce qu'on a fait à Miami? Qu'est-ce qu'on a fait à Miami? Oh, je m'attends à un truc de cul. Ah, sexe gif pour la première fois. Mais non. C'est dégueulasse ça. Oh, putain. Quoi, on t'envoie des gifs de nous deux quand on était tout nus? Je croyais que personne savait. Non, on s'est jamais vu tout nu avec prof, je crois pas. C'est pas le cas avec Alex Click par exemple. Pourquoi vous voyez souvent tout nu? Ah, Non, parce qu'est-ce que qui se passe? je ne raconterai pas trop de. Mais Bon, les fois, Alex il Click, est on s'est déjà raccord. vu à poil. Merci, moi! Pour remplir des Crâne! questionnaires. Ah, bah cool! Comment ça se fait que mes types apparaissent pas? Ah oui, j'ai oublié de le cocher. Attends, Ah, hop. bah bravo! Ah bah Alors, bravo, voilà. immersive. Et après, il manque quoi, tu dis? Générique. Bio-générateur. Quel logo? Celui d'en bas à droite? Bah, il est en bas à droite. Déjà, t'as des trucs sur YouTube, du coup, ça fait du coup. Ah, Il y a des heureusement bandes qu'elle est là, noires. ma femme. Hein. Il y a des bandes noires sur le côté. Il y a des bandes noires sur le côté. C'est bon, merde, je peux streamer ou quoi, là? Hein? Ah, bah non, j'ai pas de bande noire, moi. Ok, does Attends. not have well is entering. Ah ouais, tiens. Trop bizarre. Trop bizarre la galette. Il y a des bandes noires sur mon stream sur le côté. Ah ouais, d'accord. Là, il n'y en a plus.
Bah, tu vois, j'ai une femme qui m'engueule. Toi, t'as pas ça, toi, tu vois. Qui me dit, ouais, t'as pas mis, il y a une bande noire, ton logo, il est pas bien placé. Tu vois, attention, il faut bien faire Ah ça. ouais, non, non, bon, regarde, moi c'est nickel, c'est parfait, j'ai pas besoin de correction. Parce que là, je Alors, fais tout le temps des bêtises. on a besoin, pour le faire tourner au max, on a besoin. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qui est le mieux? Melon. Melon et melon seed ou melon et blé? Oh, mais faut une production de ouf, mec. Ah ouais, tant que ça? On verra, il tournera pas à fond. Mais alors le truc c'est. It needs which equal to. C'est end. Attends, il faut industrial squeezer et fermenteur? Oui, parce que je crois qu'il faut deux choses qui rentrent dedans. L'autre, il parle en chinois, tu vois, il s'attend peut-être à ce que je lui réponde, tu Ma femme Ah travaillait, mais elle est putain. en congé parental. Merci, vive la scol. Merci, HL. The prof de maths, mais pas de date, c'est celui qui lui a servi de the prof de FR pour la description de Creeper Island. Si tu reconnais. Derrière. Alors attendez, on va relire bien. Pas le fermenteur. Trop fait d'apéro aujourd'hui, je suis à moitié. Eh ouais, moi aussi, c'est exactement ce que j'allais dire. Diesel générateur. Complexe, nanana. Je peux pas le faire avec ça, quoi? Ah, 3 mecs forts. Biodiesel. Ok, attends. Comment on produit du fucking biodiesel? On va regarder. Ah, voilà, ils se foutent de ma gueule dans mon chat. Ok, Presque. donc il faut du plant oil et de l'éthanol. Donc c'est bien ça. Donc on va déjà avoir. Mec, toutes les machines, ça va être sympa. Le seul problème, c'est qu'on va devoir faire une usine énorme. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus rentable. Moi, je dirais en termes de taille, ça doit certainement. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme usine? Est-ce qu'on peut automatiser des usines de pastèques? Ou est-ce que je fais la même que sur Holicube? Est-ce qu'on peut automatiser? Avec quoi est-ce qu'on pourrait automatiser l'usine à pastèques? C'est ça la question? Bah attends, on va regarder Je vais faire la d'abord. même que sur Olicum, mec. Elle a une production qui est. Ah ouais, mais merde. Ah oui, si, elle produit pumpkin. Et je crois que c'est bon. Pumpkin. Attends. Et là, il faut que je fasse. Ouais, c'est bon. Alors, regarde, ça tombe, tu peux obtenir des pastèques d'une autre manière, hein, aussi. Je sais pas. Faut fermenteur, le squeezer, raffinerie et deux biodiesel pour faire tourner l'excavator. Ouais, mais c'est pas grave s'il tourne pas à plein range. Merci moi! Concours de gif, merci le geek. Attends, je vais regarder après parce que. Un champ de 15 x 15 pour chaque ressource, sinon ça tient pas la charge. Ouais, mais moi j'ai un modèle de production de trucs qui produit énormément, qui est facile à fabriquer en plus. Du coup, tu reprends un truc vanilla pour... Ouais, parce qu'on est en 1.10, oui, parce que j'ai des duplicateurs de rails et tout, on s'emmerde pas en termes de ressources. Y'a Railcraft ou pas? Oui. Je sais pas si ça passe par-dessus. Il va falloir que j'aille Faudrait que je rechercher pour teste. ma... Bah ouais, mais en modé. Qu'est-ce qu'on a comme mode? Hop, qu'est-ce qu'on a comme mode qui. Putain, ennemi, je sais. On a plus la barre là-haut? Merde, pourquoi ennemi Tu veux la liste des mods? Ouais. Je sais pas, je crois pas qu'on l'ait comme ça. Le NEI maintenant il est un peu différent là. Donc je Ouais, pense c'est que le seul moyen d'avoir les JUI. mods, Ah, c'est dommage. c'est... Faut que tu ailles directement dans les mods pour avoir la liste des mods, hein. 15 x 15 de patates AMSI dans un farmland, plus fertiliseur d'autres, et ça tient pas, donc H-Fan. Mais je m'en fous, le but c'est pas de la faire tourner à 100% après. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Les mecs, est-ce que vous avez une idée? Alors, on Je tourne en rond. Bon, déjà on va faire les machines, les mecs, hein, ça va... sera suffisant. Putain, ma Chut, souris qui déconne! ouais. Je te nique les oreilles. Ah. Oui, ça va.
J'ai bien réglé mon micro, moi. On va faire le point sur ce qu'il nous faut. Et tout à l'heure, tu soufflais comme un enfoiré. Alors, une raffinerie. Donc, il nous faut 8. Alors, ça, c'est. Style. Ah, une arme. Scaffold. Ah, on peut continuer à augmenter une arme après coup, mais je savais pas ça. Fruit pipe 5. Attends. C'est. Redstone. Redstone. Engineering block. Attends, on n'a plus rien. Engineering Wow, block. 19. Putain, c'est cool Pendant ce temps, prof. ça. Tu sais qu'il y a une grosse. Il y a une belle petite pickaxe pour toi si tu veux dans le truc, en mode expert. Ah, ça m'intéresse, c'est peut-être falloir que j'aille miner. Ouais. Donc Bah, c'est pas raffinerie, la plus c'est forte, mais bon. elle est déjà super balèze. D'ailleurs, je vais regarder vite fait ses stats. Elle est à 22,2 et moi je suis à 19, donc je la rattrape presque. Donc ensuite, il faut squeezer. On va descendre en Donc compte. plus 6. Le marbre, il y a une couche particulière où je le trouve, ou on s'en fout ou... Enfin, je sais pas. bon, derrière, c'est vrai qu'il y a des trucs là. Pas Piston. grand-chose. Ça, c'est 3. du marbre. Steel fence, les deux light et 4 wooden barrel. Alors, marbre, go. Ah, regarde, je me fais livrer des tisanes. Nous, on est des richards. Sérieux? Ouais, mon père qui vient me On est proposer une petite deux. tisane. Je vais lui dire de faire un coucou au stream, mon père. Comme ça, on verra s'il y a une ressemblance des mecs. Alors, le squeezer c'est bon, le fermenteur. Peux pas lui demander de m'en livrer une plutôt? Eh, femme, apporte-moi une tisane, vite! Tu crois qu'elle. Là, je te parie qu'elle remonte dans 3 minutes avec le décalage et je vais me faire défoncer. Vas-y, hier, j'ai fait un gâteau à la carotte et au kiri. Elle a tout Carotte mangé. et Kiri? Eh ben écoute, ce midi, on était 15, tout le monde m'a regardé, a fait quoi, gâteau à la carotte et au kiri? Ils ont tous mangé, ils ont dit c'était super bon, ça, il a été dévoré, quoi. Et ma femme a mangé plus de la moitié du gâteau d'un coup. Donc, Elle est non, en non, il train est de vomir vraiment. partout parce Oh. que celui-là est empoisonné. Mais que dalle, c'est trop bon. Pourquoi on parle tout le temps de bouffe sur notre stream? Sais pas, mais j'ai faim, moi, toujours. T'as pas mangé? Si. Oh, je me suis fait des lasagnes, mec. Ah, c'est bon, Un c'est jour, je bon. t'en ferai, elles te feront tomber par terre. Ah bah ouais, j'espère bien. Lasagne aux légumes, par contre. Ouais, moi ça me 9. dérange pas. Radiator. Bloc. Bloc! Ok les mecs, on a le total! Wouh! Donc. 3 fois 6, 18, plus 8, 26! Je suis sûr qu'on les a déjà. On veut voir le hyper. Merci monsieur Henrich! What the fuck? Merci Analyse! Merci toujours moi. Merci Chamallow! Aucun mal de tête, ça va, c'est que t'es jeune alors. Style, j'ai mis 3 fois 6, 18, 18 plus 8, 26. Oh putain, on les a déjà! De quoi? C'est beau, exactement ce que j'ai besoin. Non mais quelle matière? Quel minerai? Steel fence, on en a 3. C'était des steel scaffolding. D'accord. Attends, je vais mettre tout ici. Ça m'énerve de jouer enfenestré. Je déteste ça parce que je Mais trouve que ça écoute, rame. défenestre-toi vu que tu joues en fenestré. Ah Non, ne saute pas, prof. Saute, saute. C'est comme. T'as jamais entendu les gens qui vont s'auto-suicider aussi? Ça, c'est pas mal. What T'as jamais entendu the ça? Je vais fuck? m'auto-suicider. Oui, bien sûr. Non. Oui, mais oui, c'est Oui. clair. Attends, est-ce qu'on a des fluid pipe? Si tu veux des fluides, j'en ai. Je ne veux pas de tes fluides. 5, 10, 14. Bon, sinon, ça va dans Ark? Ça se Ouais. passe bien. Je crois que Mitsu, il a tué tous mes dodos, mais je suis pas sûr.
Non. Il voulait mettre un carnet au milieu des dodos. En fait, lui, c'est tout ou rien, tu vois. Ouais, mais je vais revenir, il va me dire, oh, excuse-moi, je les ai tous tués, il m'en aura ramené 40. Hop. Ouais, bah c'est vrai que là en plus le gros event arrive, le premier event. Ah ouais, c'est dans pas longtemps, putain. Bah ouais, c'est jeudi, je crois, non? Ouais, c'est Ouais. ça. Le premier gros event. Et après le deuxième, va y avoir du people. Va y avoir du people. Ouh, heavy engineering, j'en ai pas assez. Voilà, moi j'ai été chercher mon marbre, c'est bon. Je remonte. Pam, 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 pam. Ah non, ok, tout le monde a l'impression que je suis en train de... Alors les mecs, je ne suis pas en train de me masturber sur mon téléphone, j'ai juste mes petites notes, voilà, qui sont ici, qui sont tous les items dont j'ai besoin, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder en bas. Tout le monde est en train de me voir en mode... Ah, en plus j'adore, Alors. tu sais ce que c'est, mais... C'est ça qui est trop bien, mes petits pense-bêtes, j'avais eu ça quand j'étais allé voir le monde de Dory au ciné. Et c'est ne pas oublier, tu vois, ça correspond bien avec le personnage. Hop! Tiens, ton micro, il a baissé d'un coup. T'as ton téléphone qui vibre. Qui c'est qui m'appelle? Mon micro a baissé d'un coup? Je sais Ah non, pas. mais c'est bon, là, il est revenu, là. Alors, Qu'est-ce qui Eevee, m'appelle? faut que je fasse des Eevee Engineering Block. Hop! Alors, pour ça. Oh, on a besoin de beaucoup de style, mais du style, j'en ai déjà, c'est connu. Putain, c'est pas vrai, le gars. Le gars, il arrive. Il arrive pas. On peut pas Putain, on a pas faire de un. piston, faut que je crafte des pistons. Alors, est-ce qu'on a de l'iron? Oh putain, on a pas d'iron, mec. C'est la dèche à ce point-là ou comment ça se passe? Comment on fait de l'iron déjà dans le jeu? Je me souviens que c'est compliqué. Mais là, il faut faire fondre des mines, de la de tu. De la Hein, tu vois merde. quoi? Je sais plus comment ça Putain, s'appelle. De la de la go quelque GoPro. chose. Non, c'est pas ça. Non, la goalite. Mais Ah, si, tout ce la qui se termine. trésiron. C'est Byzance, qu'est-ce que tu racontes? De quoi très iron, mec? Attends, je vais regarder, c'est écrit ici les trucs là. Ah, mais il y en a deux ici. Alors. C'est de la On a magnétite, notre. de la hématite, de la goétite, de la limonite, de la sidérite. Et je Voilà, crois c'est que c'est ça. tout. Ah, de la taconite. C'est Bon. genre, il sait, putain, ils Tout se ce... sont creusés sur les noms. Alors, si je mets étoile hit, non. Ils ont mis des bits partout et puis voilà quoi, tu vois. Magnétite. Ah, on a un peu de magnétite. Je vais le mettre. Bah du coup, elle est où ta super pioche? Je vais aller en chercher. Bah, elle est dans le. Tu prends dans le truc là? Où ça? Bah, dans. Ça m'aide pas le truc là. Bah, le Wireless Access quoi, Ah, et je tape quoi? Je tape super pioche ou comment ça se Putain. Le gars, faut que tu lui apprennes, mais putain, pourquoi vous allez chez lui, les mecs? Mais venez chez moi, enfin! Tu tapes axe ou pickaxe, Mais c'est la et bronze hop! pickaxe, c'est celle-là? Ouais, celle-là, elle est super balèze, tu vas voir. Hein? Elle mine vraiment bien. Elle est en level 22, donc. Voilà, m'a l'air un peu bronzy quoi. On va remettre tous les trucs. Des enfants. Les vrais gamins, c'est du kill du kill les. Merde. Ah putain. Wouh! Ah, j'avais oublié ça, à quel point c'était cool. Tableau de bord. Allez, on va Non, miner ici, ça me paraît bien. Tiens, non, change ta cam de côté. Ah ouais, la map, j'avais oublié. Alors attendez. bah voilà. C'est ça qui fait la différence entre un bon et un mauvais, tu vois. Entre un bon et un mauvais... Non, pas chasseur, streamer. Putain, c'est vrai que j'ai toujours mon Inchaku. Oh, le poulet. Oh, Wata! Ah ouais, cool, il y en a des. Wata! D'un On coup, va ça aller fait de la essayer bouffe. ça. Merci, Kenny! Et Saint-Jocu! Coucou Aipia, on fait quoi ce Quoi? soir? Bah, on essaye de faire des machines. Ouais, en fait, il s'appelle Shinjoku, mais si tu le lis phonétiquement, c'est Saint-Jocu. C'est pour ça que je l'ai toujours appelé comme ça. Pas besoin d'esquisse, ça fait 2 ans qu'on le sait que tu regardes ta bite en stream. J'avoue. J'aime bien m'admirer. Non, en fait, si tu veux, le problème, c'est que je joue un peu proche du bureau et des fois, ça passe pas, quoi. Et du coup, ça titille un peu et je vais regarder pour être sûr de pas me la coincer. Putain. Ouais, elle est pas Bon. mal ta pioche. Mais je te l'ai dit qu'elle était pas trop mal. Putain, maintenant faut que je... Oh, c'est toi qui voulais du marbre? Oh, je viens d'en récupérer deux stacks là, c'est bon.
Attends, y a pas un truc pour... C'est quoi ce truc là? Oh, je l'ai Slab? désactivé, le truc de la veine, je crois. Putain, c'est quoi ce truc là Oh, que j'ai le fait? Tyrannosaurus Rex. C'est bien. Oh, ce matin, j'ai lu un truc sur Jurassic Park. J'étais encore bluffé, alors que le film, il a quoi? 25 ans? 24 ans? Moi, tu sais que je les ai lus en livre, j'ai adoré d'ailleurs. Ah C'est ça qui ouais, m'a il y a fait. des livres! Ouais, c'est Michael Crichton. Ah ouais, je savais pas. Eh ouais, tu vois, t'as les cultivés et les moins cultivés. Moi, je suis culturé dans la vie, tu vois. Quoi? C'est fini de te marrer depuis tout à l'heure, là? Je vais commencer à le prendre mal, Ah, de la monsieur. magnétite. Ah, t'es culturé, ouais. Merde, ça c'est autre chose. Ah putain merde, ça c'est... Alors là ouais j'ai vraiment mal joué là. Comment je vais faire? Oh, mais je sais comment ça marche. Juste la question, c'est qu'est-ce que je vais faire comme ferme en fait. Faut juste ça. Merci HMPS! Faut que je regarde au Ah. niveau. De... En fait, faudrait que je regarde au niveau des mods qu'est-ce qu'on a pour faire de la ferme automatique. Mais j'ai plus repris la liste des mods. Bah, Under.io en soi. Je pense que je vais faire de la ferme automatique avec Under.io, on va pas s'emmerder. Avec les farmers que t'as fait en fait, hein, c'est les mêmes. Elle s'auto-répare ta pioche ou pas? Un petit peu, je crois. Mais oui, si, elle s'auto-répare un petit peu, ouais. Mais je sais pas si c'est à foufoule de temps en temps. Vraiment, quand tu fous le bordel, elle a besoin d'être tranquille, quoi. Et c'est pas une pioche, c'est une hache, non? Ah non, c'est une pioche. Putain, j'ai du mal. Pas, j'ai pris une Oh! pioche, putain, mais t'es fou de bourré toi. Jurassic Park, ça a 25 ans! Voilà, c'est moi qui ai du lag ou c'est le serveur? Allô? Oui, je t'entends, je t'entends bien. T'es plus là, t'es là, t'es pas là. Si, tu m'entends là? Tu m'entends bien ou Ouais, pas? nickel, ouais, Mais nickel. J'ai pas... sans Moi, j'ai aucun pas eu de... Ce... écho. Ouais. Non, le serveur lag un tout petit peu, mais ça, c'est parce qu'il y a vraiment des gens qui ont fait des gros trucs, quoi, tu vois. Lag un tout petit peu, je peux pas miner de bloc là. Ah bon? Ah, moi, je mine nickel, hein, par contre. What the fuck? Qu'est-ce qui se Ouais. passe le mec? Bienvenue Suprapika! Suprapika! Ah! Ouais non mais Woot, ça marche pour les graines aussi? Je sais plus, Je suis pas peut-être. certain les mecs. Ça marche Woot pour Peut-être. ça? Parce que si Woot marche pour ça, ouais, clairement... Pourquoi je laguais comme ça? The Non, fuck? c'est pas ça. Donc C'est toi qui oui... t'es déco là. Oui, c'est moi qui me suis déco parce que c'était full drogue. Non. J'ai juste un problème côté client, c'était trop chelou. Donc, ouais, Jurassic Park il y a 25 ans. J'ai appris qu'au final, il y avait les dinosaures, il y avait quasiment pas de CGI. Ah bon? Ouais, il y a très très peu. Il y a que 8 scènes sur lesquelles ils ont utilisé de la CGI. Et en fait, l'astuce qu'ils ont faite. Parce que tout le monde se. J'ai vu un article, un mec qui posait la question, comment ça se fait que Jurassic Park, qui est quand même de 93, quand tu regardes les effets spéciaux, étaient vraiment ouf Bah sur ouais, les dinos. franchement. Et les mecs, il y avait un mec qui a répondu parce qu'il était dans le cinéma et tu sais, il dit en fait, contrairement à ce qu'on pense, et le mec demandait pourquoi au final on a l'impression que la CGI d'époque n'a pas eu d'évolution par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les films. Et le mec a dit parce qu'en fait, il n'y a que 8 scènes où il y a de la CGI qui est utilisée et il n'y a quasiment rien en termes de CGI parce que il a utilisé des. Ils ont fait des modèles, des puppets comme ils disent, des marionnettes. Ah, d'accord, ok. Et ce qu'ils la CGI d'époque était pas. Alors, ils ont beaucoup travaillé, mais elle n'était pas meilleure que la CGI d'aujourd'hui. Elle était même plutôt dégueulasse. Mais c'est juste que la feinte qu'ils ont utilisée, ils ont utilisé la CGI que quand il y avait. Dans des environnements sombres, avec de la pluie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pluie Ouais, et je tout ça. vois. Et en gros, ils font des switches de scènes entre. Soit on voit la tête du dino, et dans ce cas-là, c'est une puppet, c'est une marionnette. Soit on voit plus le corps quand le dino s'éloigne, un peu plus lointain, et là c'est du CGI. Et ton œil s'habitue à Ah putain, c'est voir. super bien fait en tout cas, hein. Ben ouais, mais ton œil s'habitue à voir la marionnette, il voit qu'elle est bien réelle, et du coup ça va pas le faire tilter après ton cerveau. Alors que si tu regardes que la scène quand il s'éloigne, des fois tu vois la CGI en fait. Et c'est pour ça que c'était bien fait à ce point-là en fait. C'était super intéressant à lire. Mais bon, les mecs ont dépensé un budget fou. Tu sais que notamment ils ont dépensé un budget fou pour faire les marionnettes de dino. Ah bah j'imagine, Parce ouais, ça que c'est trop ils bien. voulaient faire un truc à hydraulique.
Mais le problème, c'est que l'hydraulique était trop lent pour répondre aux mouvements des dinos, en fait, pour faire des mouvements rapides, notamment sur le T-Rex. Donc ils ont dû inventer une sorte d'hydraulique, mais avec d'autres types de fluides, sur ces marionnettes-là, pour... Ouais, Goïtite, c'est bon. Pour pouvoir avoir des trucs aussi actifs. Et c'est pour ça que les dinos rendent aussi bien, parce qu'après, faire des marionnettes, enfin, c'est du réel, donc... Mais T'as lu un documentaire ou... non, 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 c'était du texte. Tu sais, le matin, quand je me réveille, des fois, je tombe sur des trucs, tu sais, c'est comme quand tu commences à explorer. Merci Starsky, et bienvenue, Sinari. C'est seulement les Alors... mobs, Woot, mais tu peux faire une usine à fer avec. D'accord. À quel mob? Ah, Meumeux, il a fait le moteur diesel? Oh, bah, je vais lui demander. Là, de toute façon, on récolte les ingrédients pour pouvoir avoir toutes les machines. Mais normalement, je peux faire une. Enfin, je sais comment faire le truc, mais la question, c'est quelle ferme la plus efficace que je peux utiliser. Ouais, je sais, Bon, j'ai après, Vein même Miner, pas mais. forcément la plus efficace, hein, mais la plus fun aussi. Ça peut être rigolo d'avoir une ferme qui est fun, quoi, tu sais, qui rigolote. Bon, les fermes. Enfin, Tu les. sais, je sais pas s'il existe une ferme où on peut récolter, par exemple, on doit, ça sacrifie des vaches et tout, tu vois, enfin, un truc comme ça serait Alors les rigolo, quoi. vaches, oui, et ça on peut le faire, c'est rigolo, mais là pour le coup c'est du pur végétal dont j'ai besoin, c'est pour ça que c'est un peu moins Ah rigolo. ouais, d'accord. Et c'est pour ça que Woot, je le trouvais super intéressant, mais c'était chiant parce que par moment, tu vois, j'aurais préféré un spawner à vaches pour pouvoir les mettre dans le crusher, les voir se faire exterminer et tout, c'est plus rigolo quoi, tu vois. Ouais, carrément. Tiens, on va aller vendre un peu de DécoCraft, je En suis mode curieux. abattoir. Puis on va manger. On va manger. T'as faim encore? Oh, je crois que c'est la tisane Mais qui je galère arrive. pas avec mes escaliers, j'essaye de faire quelque chose de propre. Vous êtes trop lourd, Roméo. Bande de méchants. Merci. Ah, c'est chaud, Alors. c'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça y est, t'as eu ton café? Merci. C'est bon, j'ai ma tisane. Oh l'autre. T'as vu? Livré à domicile, quoi. Apporté par ma femme en plus. Donc vous verrez pas mon papa. Rect. Après, je sais pas si vous voulez se montrer. Attends, Barrel. j'ai pas demandé combien de sucre. C'est quoi cette musique? Pourquoi y a cette musique? C'est qui nous a mis radio dans le channel? Attends, attends. C'est Radio Hypier, ça. C'est iRobot. Oui, mais il est trop con, on est en stream. Ça, il faut virer sur la rediff, ça va flag, mec. 100%! C'est qui a lancé ça? C'est Mouette! Attends, attends, je vois dans les bots les commandes. Ou c'est Icar. C'est sur le Discord, mec. Ils me l'ont Ouais, viré. moi j'ai coupé tout de suite au départ parce que sinon, si c'est Non, ça c'est qu'on la redit, on va se faire frapper. l'inoxydable. Mais le truc, c'est que. Attends. You would skip. Non, 21h37. Non, non, quelqu'un nous l'a envoyé, mais je sais pas qui c'est. Attends, je regarde chez les modérateurs. Attends, Mouette, il est pas là? Je sais pas Y en s'il est a pas là. beaucoup qui ont accès à ton Le bureau El Papa, quand seul même. qui a accès au bureau de El Papa, c'est Mouette. Bon, bah voilà. Pierrot! Ouais, j'en étais sûr. C'est pas moi, je te jure, non, non, c'est pas moi! C'est qui Ça m'a alors? surpris aussi que je regardais le stream, hein. C'est Ça m'a qui? surpris de ouf, je l'ai viré vite fait le bot là. Mais c'est qui m'a J'ai fait envoyé ça? merde, ils vont se faire flag sur je sais Non, pas mais c'est qui pas en grave, ça a pas premier. duré assez longtemps. Assez longtemps. Non, mais quand même, j'ai fait oh putain, je vais me faire niquer encore, alors que c'est Mais même pas moi. ouais, bah j'étais sûr que c'était toi parce qu'il y a personne. Ouais, j'ai des doutes là. Non, Non, c'est pas moi. Y a personne Je vais d'autre demander qui peut accéder, au... non? Ouais, je vais demander au salon des sponsors si c'est eux. Je reviens. Quel est le sponsor qui a foutu le bordel? Le pire, ce mouette. Voilà, c'est bien là comme ça, tu vois, j'ai mis 2-3 tonneaux et tout. Bon, ils sont pas très beaux les tonneaux de DecoCraft. Attends, moi je suis dans mon mineshaft de folie. Je vais me faire un bouffe Flaguer là. sur du Rickroll, bah ouais, c'est sur YouTube. Bon, c'est les sponsors, c'est bon. C'est un des mecs dans le salon des sponsors, et apparemment ils se sont trompés de channel, ils ont fait exprès. Du coup, D'après eux. ils peuvent. J'aime bien le Quoi? d'après. Du coup, ils peuvent envoyer sur le bureau d'El Papa. Je savais pas. Ça doit être sûrement un des modos. Je Pas grave. pense. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'était rigolo. On était là en mode, mais putain, elle vient d'où sur le Mais serveur ouais, cette moi musique aussi et tout? j'entendais cette musique, mais je Et d'un coup, je me suis dit, mais non, c'est sur le Discord en fait. Bon, je vous laisse jouer. Bisous. Bisous. Ciao. Ah,
Ah, Allez, oh on va. putain, tu peux faire wood sur les golems de fer! Eh, mais c'est broken as fuck! Et Ouais, après, tu peux faire Aurélien, il aussi. dit que ça va pas assez vite, what the fuck? Mais je sais pas, en Ah fait. mais Wood, c'est long à faire hein, quand même, hein. Ouais, wood c'est long à faire. Mais en fait, moi, la raison principale pourquoi j'aime ce mode pack, même si là, j'y avais pas trop joué parce que. Holy Cube. Et plus. Je sais plus où on est. Ah, mais je suis con, j'ai mon katana. Plus Arc, c'était surtout pour ça que j'ai pas joué. Mais ce que j'apprécie, c'est en fait, j'ai l'impression en jouant à ce mode pack de rejouer à FitzPatrick saison 1. Quand on galérait comme des chiens parce qu'on connaissait pas les mods, qu'ils étaient pas non plus super puissants, qu'il fallait farmer comme c'est pas possible. Les champs de force, les trucs comme ça, on y passait beaucoup beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'apprécie ce mode pack parce que ça me rappelle ça en fait. Ouais, bah, alors moi j'ai pas connu le mode pack 1, mais je trouve qu'il est pas mal pour ça, ouais. Bah, on Et découvrait le modé, hein, c'était en 1.2, hein, c'est pour te dire. ah Ça ouais, quand même, ah grand-père! date pas d'hier, mec, c'était à l'époque où bah, Under.io n'existait pas. Qu'est-ce qui n'existait pas? Tout le truc des. Comment ça s'appelle? Tu sais, pour faire les cellules, ce que t'as vu dans le feed de Patrick, là. Ah ouais, ok. Le stockage, ça n'existait pas. Ouais, tous les trucs de On avait stockage. Merci Logistic Pipe. HMPS. On avait Logistic Pipe à l'époque. Qu'est-ce qui existait? Oh, je me souviens plus. Merde, je peux pas passer par là. Il y avait les vieux trucs. On pouvait faire de la. C'était Industrial Craft à l'époque. C'était Industrial Craft et pas les autres mobs. Mais il n'y avait pas Mechanism, tout ça n'existait pas. Je vais mettre ma musique. J'ai envie de mettre ma musique. J'en mets qu'une en boucle sur tous mes streams. J'ai envie de la mettre. C'est bien, tu saoules pas tes. Non, ils adorent, ils sont. Mais il faut être assez taré pour me regarder, donc du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Attends. J'avoue. Putain, si tu voyais la déco là où je suis, tu sais, c'est là, je suis dans ma piole, mais en haut, tu sais, celle qui est rose et verte, tu l'avais pas Ouais. vue, toi aussi. Ouais. Oh, putain, ça fait des couleurs avec l'éclairage. Oh là là. C'est horrible. Attends, je vais checker après ce que ça donne. D'où qu'elle est? Oh, oh, si, tu verras bien Bien la rose. dégueulasse. Je me demande si on peut mettre des Attends, shaders ouais, je là-dessus. mets ma musique. Je sais pas si je peux t'envoyer de la musique, toi. Elle est libre de droit, de toute façon. Comment je fais pour t'envoyer de la Alors musique? déjà que moi généralement ça flague pas, enfin moi ça flague plusieurs mois Non, après. ça flaque pas, là. Non non mais Non, moi mais tu ça... sais que sur ma chaîne j'ai rien qui peut flag. Ah, t'es managé. Ouais. Mais par contre ils viennent me faire chier plusieurs mois après en mode oui on a détecté là et comment dire. Ouais pour de vrai, pour de vrai. Ils m'ont fait chier sur plein de trucs, j'ai problème à un moment. Mais c'est du genre la vidéo elle est sortie. Mais justement ils m'ont fait chier pour une série que j'avais faite qui était sur. Ah non c'était sur Star Wars. C'était Lego Star Wars. Et je l'ai sorti mais il y a longtemps. Et du coup c'est un peu chiant parce que c'est les musiques du jeu en fait et. Toujours compliqué. Je L'affaire kiffe m'a cette fait, écoute, musique. au pire serre-toi, il a dit qu'il allait plus faire de FTT3. Mais je sais pas où il est Aurélien en fait. Vous avez les J'ai coordonnées? les coordonnées de tout le monde, j'ai tout enregistré dans ma map, mais tout le monde. Ok, tu peux me Mais dire où pas il est? fight Je vais aller quoi. faire un tour. Bien sûr. Alors Aurélien Sama. Edit, il est en moins 1795. Ouais. 560. Ok. Moins 1795. Yep. Putain, Ika, qu'est-ce qui est con. Attends, ma tisane, refroidis. Pourquoi The Prof de maths est pas sur Holy Cube? Ah, Ah bon? l'intégration sur Holy Cube se fait par étude longue de dossier. Putain, les mecs, non, il y a un zombie qui arrive et je bois ma tisane. Non, peut-être. Ah. Ouais, je l'ai touché. Je l'ai touché à cette distance. Peut-être plus tard, mais pour l'instant. Bon, on a repris les anciens, on a des gens à qui on avait proposé il y a longtemps, quand prof de maths n'était pas connu encore. Quand prof de maths n'était pas connu, j'ai toujours été connu, moi. Et on verra. Mais après, à vrai dire, sur Holy Cube, c'est pas moi qui gère en fait les. Rappelez-vous, sur Holy Cube, à la base, je ne suis. Contrairement à tout ce qui est Patrick ou machin. Holy Cube, je ne suis absolument pas le créateur de Holy Cube. J'étais invité justement. Holy Cube, j'étais invité saison 1, j'ai pas démarré au début de la saison 1. Je crois que j'avais été potentiellement invité au début de la saison 1, mais je pouvais pas et j'ai intégré un peu après. Mais je suis invité à la base. Et j'avais été invité par qui? Qui c'est qui m'avait invité? Je crois qu'il m'avait. C'est Toy qui avait regroupé tout le monde à l'époque. Et Toy suivait ce que je faisais.
Et il connaissait les. C'était la team. Enfin, Team Eventime à l'époque, avec Roi, tout ça. Je me souviens de ça. Putain, ça remonte, hein, c'est pas frais. Alors attendez, on va aller chez notre ami. Donc tu m'as dit combien? Moins 1795. Ouais, tu t'es mis dans le chat. Bon, les escaliers, c'est bon. De l'autre côté, c'est bon. 165. Ici, je devrais peut-être mettre un truc là, non? Une plante? Je sais pas. Pourquoi t'avais forte la musique? Non. Ah merde, j'ai pas du bon côté. Ok, donc ça, c'est bon. Ah bah je suis chez moi, MDR. Mec, Dans je ton ancien chez toi. suis. Ouais, je suis dans mon ancien chez moi, mais je suis allé. Ah oui, donc Aurélien parlait de Mine Colony, que ça va pas assez vite. Ouais, Mine Colony. Ouais, Mine Colony, je suis d'accord aussi. Il est pas. Le mode est pas encore assez avancé. Mais il y a du potentiel. Mais je trouve que c'était sympa de le mettre, quoi. Honnêtement. Ouais, ça a changé un peu, hein. Bon, qu'est-ce que je vais construire maintenant? Ouh, J'arrive c'est pas à beau. sortir de cette faille, les mecs, comment on fait? Putain, il y a plein de blé partout là. Bien Je crois mis que je vais chez moi. m'occuper de la. Vous avez entendu ça? Hein? De quoi Ça, ça? veut dire que. J'ai dit il y a plein de blé et t'as dit viens chez moi, c'est ce que t'as Non, j'ai dit, dit non? bienvenue chez moi, ça encore pire. Merde, j'ai fait des mes trucs. Là. Hop là. Voilà, je suis allé un peu trop vite. Je me suis TP. Ah, je suis dans une. Ah non, c'est un village. Comment je vais faire cette baraque là? Je sais pas comment. Est-ce que je mets tous les animaux dedans? Ouais, ça va faire moche. Ça va faire moche. Putain. Comment on va l'exploiter en sachant que là il y a ça? J'ai Link est toujours pas accepté. Singe au cul. Alors, est-ce que t'as Link le bon compte YouTube? Bon, malheureusement, je gère absolument. En fait, si tu veux, la liaison se fait via une API ou un bot, je sais pas trop quoi. Et je ne gère absolument pas. Et je sais que certains ont des. Putain, je suis allé trop loin. Ouais, il faut Ah, mais vraiment c'est que moins le. 1700! Putain, tu te fous de ma gueule! Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, ouais. Ouais, Bah, si tu l'as écrit d'ailleurs. j'ai oublié le moins. Je suis en 1700-500. Ouais, c'est pareil pour mes sponsors de mon côté. En fait, il faut bien que l'adresse mail de YouTube soit identique sur Ah, Discord. c'est Sinon, ça marche pas. l'adresse mail! Ouais. Ah! Et vous avez peut-être une adresse mail différente entre votre compte YouTube et. Ah! C'est. Wow! C'est possible que ça soit ça, effectivement. Mais on gère absolument pas ça, et je sais qu'il y en avait qui avaient ce problème-là, donc la liaison peut se faire que comme ça. Putain, mais c'est des streams des balades en ce moment, hein, parce que mec, hier, tu sais que j'ai fait. On a fait 40 000 blocs en Elytra sur Litube pour aller dans un manoir. Quoi, 40 000? Ouais, 40 000 en Elytra. Avec les feux d'artifice, mec, c'est trop simple en fait. Ouais, je sais, j'ai fait ma première vidéo là-dessus. J'ai eu trop peur parce que la première fois que j'ai volé avec des Elytra, si tu veux, je me suis cassé la gueule parce que je savais pas comment ça marchait, quoi. Donc, je savais pas qu'il fallait appuyer et laisser appuyer sur espace. Donc j'ai Ah, sauté t'as de pas besoin de laisser Celestia. appuyer, tu appuies juste un coup. Ah bon? Ouais, t'as pas besoin de Ah rester bah. appuyé. En fait, t'appuies un coup sur espace et un deuxième. Et tu voles. Vers Bah écoute, tu vois, l'infini et l'au-delà. Putain, j'en tu m'en apprends encore. peux. Tu vois, t'as encore plein de choses à apprendre. Ah, mais il n'y a pas de souci, moi je suis là pour ça. Je découvre. Wow, je vais finir dans la lave. Hop là! J'arrive pas à gérer ce truc. Qu'est-ce que. Alors! T'es chez quelqu'un? Je sais pas, je sais pas du Ça tout. va faire un peu stress. Merci à études longues de dossier. The prof de maths n'a pas le droit de faire Olicube. Apparemment, t'as pas le droit. J'ai pas le droit de faire Holicube. C'est interdit. Par le théorème. Non, j'en sais rien, les mecs. Une fois de plus. Tadam. Ce n'est pas moi qui gère. Merci, vagabond. Dire s'il te plaît ce soir. Non, je pense qu'on va falloir rester sur FTT tranquillou. Yep. Je referai du arc à l'occasion. Faut que je tourne des épisodes. Il n'y en aura pas demain d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le temps de faire le rendu. Bah moi tu vois j'en fais même pas sur Arc. De stream? Bah non, en fait je me Je suis pense fait que je vais rester pas mal épisode aussi. Parce que, je sais pas, je vais voir. J'en ai fait la dernière fois. J'aime bien. Je trouve que c'est. En fait, Arc, il y a des moments qui sont très C'est. longs, donc du coup, autant Il y a faire des des moments trucs en qui sont stream longs et et. un peu contemplatifs, entre guillemets. Enfin bon, en même temps, là, sur FTT, il y a des moments qui sont très longs aussi, mais c'est différent, quoi. Oui, m'en fous, je suis bien. Et pas moi, tout bleu.
quoi ces questions, vive la Skol? Un de vous a déjà fumé? Quoi? A fumé quoi? Ou fume. Et après il met herbe compris. Eh, hey, rigole pas, j'ai jamais fumé une seule fois de l'herbe, vraiment. Et c'est pas une blague. Par contre, pas mal, ça, quoi. Par contre, du tabac de temps en temps. Toi. Du tabac, ça peut m'arriver, mais je suis pas un fumeur. Non, t'es pas un fumeur, toi. En soi. Non, du tout. Ça m'arrive une fois de temps en temps, comme un verre d'alcool. Et je fume pas de cigarette, je fume que des roulés d'un vieux tabac qui traîne depuis des mois et des mois. C'est vrai en plus. Moi, je ne fume pas du tout de tabac. J'espère non. que ça a répondu à cette question. Il fume la pipe. Mais non, je ne fume absolument pas de tabac. Non, toi, t'as pas ce vice-là. T'en as d'autres, hein. J'aime bien, pas le, bien le tabac tout seul, j'aime pas. Alors. Mais en fait, moi, tu sais que je déteste c'est l'odeur même du tabac, hein. Le tabac ah ouais, froid. Contre, le tabac ah ouais, froid, non, mais qui aime l'odeur du tabac froid? J'aime Putain, pas. Il du a fait tout, pas mal de choses en termes d'énergie. Qui ça? Qu'est-ce que c'est que ce... Un assembleur, ça fait quoi ce machin? Je sais pas, il a fait des trucs chelous. Chez Aurélien là. Ah ok. Ah il a là son truc Mob Factory. Spawning Skeleton. Apparemment Mitsu il a craqué sur Arc. Il cam dit ça. Encore. Il est fou Mitsu sur Arc. Il est fou. C'est un fou de Arc. J'ai rarement vu des gens aussi sur un jeu. Oh putain, les fluid pipes, c'est comme ça. Oh, ah ouais, ça va être l'enfer à faire ces trucs-là. Fermenteur. Oh bah là, tu vois, il doit être en train de regarder là, Mitsu. Je sais pas si je l'ai vu sur mon live ou pas. Prof, tu fumes quoi? Ouais, donc il a fait des petites fermes comme ça. Industrial Amp. Et patates. Il a mis une Ardite Matoc. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est pour que ça soit infini, avec un double IR capacitor, il a les bons sols. Putain, mais en fait, c'est marrant parce que c'est fou comme je m'amuse sur vraiment feu teuteux, quoi. J'aime bien l'esprit du village et tout. C'est tranquille. C'est fou. Bah, il y a des trucs d'énergie. Non, mais si tu veux, moi, je me lasse très très vite des choses en fait. Mais vraiment, hein. J'ai du mal à rester par exemple pendant des mois et des mois sur un même truc, donc c'est vraiment un dur combat. Faut trouver plein de trucs à se renouveler, c'est pour ça. Mais j'aime bien si tu veux. Si je devais choisir, je ferais des jeux tous les jours différents. Le problème, c'est qu'il faut un sacré budget pour acheter à chaque fois les jeux, quoi. Mais je ferais tous les jours un nouveau jeu, quoi. Ça me plairait. Ouais. Tu te souviens pas ce que tu voulais faire là? C'était quoi? Tu n'as même plus de ton idée. Non, bah tu sais, j'en ai tous les jours à la seconde, quoi. J'en ai encore une aujourd'hui. Ça me donne une idée, tu vois. Je t'en parlerai hors stream. Ouais. J'ai peut-être une idée sexy pour nous deux. du coup, il est où son truc d'Iron Golem, les mecs? Parce que je me balade comme un... Il doit être dans sa base, je suppose. Il y a un Iron Golem qui se passe là. Ça lag un petit peu chez Auré, je vais pas mentir. Ah ouais, eh, bah déconnecte s'il s'arrête. S'il y a des trucs allumés, éteins. De quoi? Ah! Bah, s'il y a des machines allumées. Je crois qu'il a enlevé le chunk loader. Non, bah du coup, attends, il a dit qu'il se reconnectait plus, je peux tout axer dans ses coffres. Oh, ah ouais, prends du fer, tiens. Mec, il a des plus acting, tain, ça vaut super cher, ça. Il va pas nous en vouloir. Alors, on va se faire un peu de déco craft, on va décorer là. Ici, je sais pas. Non, c'est pas du porn. Alors, attendez. Merci, Markcraft. Vous avez fait votre fondue en dessert pour le nouvel an. Alors, comment dire? Tu te souviens? Le nouvel an. Bah, non, je trouve qu'on a été vachement raisonnable en termes de bouffe, non? En termes de bouffe, on a été raisonnable, c'est pas là le problème. C'est pas sur la nourriture le problème. Non, alors faut savoir que quand moi je vais quelque part, j'aime bien mettre un peu d'ambiance, j'avoue. Et là, pour le coup, j'avais ramené des nerfs. Oh, c'est trop bien, mec. C'est trop bien. Ça a été un de ces bordels parce que dès qu'il y a quelqu'un qui avait les flingues, tout le monde se frappait. On avait des tenues choc, des tailles chic comme thématique, et je vous jure, c'est pas une blague. Ils ont vu les photos tournées sur Insta et tout. C'est sur Instagram, c'est ma photo la plus likée, celle avec toi, là. Avec le chapeau et la poudre d'oreille dégueulasse. Ouais. Et mon détail choc, moi, c'était un parfum au maroilles. Putain. Ah ouais.
Perfect. C'était horrible, y a personne qui voulait m'embrasser, quoi. Sauf ta femme, pardon. Quel enfoiré. Bon, attends, tu lui passeras le bonjour d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut que je chope son numéro là. Je vais lui envoyer des petits semeuseux. C'est décidé. Oh, ça fait très bizarre là. Oh, ça fait très 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 bizarre. Attends, je taxe tout. Connective Iron. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais c'est bon, il a ma sphère. Je lui ai taxé. Il a dit qu'il arrêtait. Moi, je veux pas balancer, mais il a dit qu'il arrêtait. Du coup, je sais. Ah bah tiens, je peux peut-être les avoir ici. On va ramener un peu de fer chez nous. En fait, elle va être pas si mal que ça, cette petite étude que je suis en train de faire. Du coup, ouais, c'était rigolo quand même au jour de l'an, parce que il y en a qui sont arrivés un peu en retard. Et du coup, moi j'étais déjà plutôt bien, quoi. Tu te souviens les mecs à qui j'ai tiré dessus quand ils ont franchi le pas de la porte, boum, ils sont pris un truc de nerf. Je les connaissais pas, hein, je les ai jamais vus. Ah merde, ouais. Ah ouais, puis plus on a ramené. Ah non, les confettis, on les a paumés en cours de route. C'est vrai. Ah, je me souviens plus trop du reste. Juste qu'on était content d'avoir une conductrice qui ne fait pas retour. Ah si, on a oublié le blouson du petit mec. Putain, j'ai dû y repasser. Oh, mis tellement de temps pour rentrer après. Et au final, on n'a pas fait de fondue du coup en dessert. Merci Ameno. Non, 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 on a pas réussi. On n'a pas trouvé le courage ni, je sais pas. Trop les sponsors trop qui sont renommés en Ameno. J'avoue qu'on était. Sérieux? On était, ouais, dans le salon des sponsors. Je sais pas si tu les vois. Il y a écrit Ameno partout. C'est excellent. Les geeks du fiel. Personne n'envoie des chips. T'en faites pas tout péter. Merci Monsieur Henrich. Bah il est invité à chaque fois Zera, mais soit il est pas dispo, soit. Ah oh, oui, il a que ça. C'est un homme très pris. C'est un homme très pris, ça c'est vrai. Donc il devait être là dans le dernier suite de Patrick. Et finalement il était pas là. Donc voilà. C'est bah, pour ça, dites-vous que. C'est simple. Tous les habituels, tous ceux que vous avez quasiment. Hein, mais tous ceux que vous avez vus au moins deux fois dans un event Patrick, au moins deux fois, ils sont par défaut toujours invités dans le suivant. Mmh. Quasiment tous. Peut-être à une ou deux exceptions près, pour des histoires, des machins. Mais en tout cas, tous ceux-là, ils sont invités. Après, ils sont dispo, ils sont pas dispo. Il y en a qui veulent plus forcément le faire aussi. Hein. Chacun... Enfin, chacun son choix, entre guillemets. C'est normal, hein, tu sais, des fois... Moi, j'étais invité à des trucs aussi, je n'étais pas forcément motivé pour le faire. Donc voilà. C'est la plateforme que tu as vue avec un bloc de tête. Par contre, ça bouffe un max d'énergie. Merci, chat sponsor. Bah ouais, mais j'ai récupéré le fer, donc c'est bon. Merci, Vilascol. Merci, j'ai eu ma réponse. Quelle marque de PQ utilises-tu? Bah évidemment, la marque que tout le monde utilise. Ça commence par un O, ça finit par un B, quoi. Quoi? Non, non, laisse tomber, on parle en message codé. Il a compris ma réponse. Et c'est quoi notre base? Sérieux, là? T'es sérieux? Coordonnées, ouais, je suis perdu. C'est quoi, on est en zéro? C'est pas possible, ça, je peux pas être en zéro. Ah, putain, si on est en zéro. 0 1400. Cool. Je savais même pas qu'on était sur le zéro. 1400. Et je prends des... C'est comment? C'est pas des bio, c'est des... Si, je crois que c'est des bio. Enfin, sans additifs, un truc comme ça. Sinon, ça fait un peu mal aux fesses, tu vois. De quoi est-ce que tu parles, là, depuis tout à l'heure? Ah, d'accord. Non, moi, je préfère des trucs aromatisés, comme ça, que quand quelqu'un me sent les fesses, tu vois, bah... Je suppose que tu parlais de ça, évidemment. Je sais pas. Après, pour le reste, je peux pas rentrer dans le détail, mais... Mais voilà. 0 1400, je suis parti beaucoup trop loin. Merci Colex. Bonne tisane. Bah ouais, ce soir c'est pas la bière, c'est la tisane. Un peu trop de champagne aujourd'hui, du coup la tisane ça fait du bien. On se fait vieux. Trop de champagne. Bah, je peux pas tant que ça. Putain mais. Non, pas trop de champagne, mais vin, plus champagne, plus machin. Genre mal au crâne si je prends une bière. Salut!
Oh putain, je savais pas. Tu savais que quand tu mettais deux portes l'une à côté de l'autre, tu sais, Elle les sort. portes de barrière, elles s'ouvrent en même temps. Oh, mais c'est trop cool! Ah bah t'es là. Mec, c'est T'as vu? super swag! Ah, c'est un C'est truc classe, modé ouais! ça! Parce qu'en vanilla, Bah. ça fait pas ça. Hein. Ça serait trop Bah. swag que ça faisait ça. Ah, la photo la plus likée maintenant, c'est celle avec le chat. Bah, ça a changé. Bah moi c'est la petite voiture que j'ai mise dans ma machine à laver, mort de rire. Si j'avais su que ça pouvait. Ah oui, la petite voiture! J'étais mort de rire, je te jure. Là j'entends un bruit, je fais qu'est-ce que c'est que ce vacarme encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Et là j'entends le bruit vient de ma machine. Donc tu sais, tu te rapproches, puis là, il y a peut-être un dinosaure qui va sortir ou quelque chose, tu vois. Tu rapproches la tête, puis là, paf, elle sort. Et là je la vois tourner, je fais oh putain, je vais filmer ça. Petite voiture, c'était trop excellent, mec. T'sais, moi je te jure, je me fais des histoires des fois. J'avais ça sur moi, j'avais pas tout mis dans le coffre. Alors attendez, on reprend nos notes. 26. Les fluid pipe. Il nous en faut Grand-père. 14, c'est bon. Ensuite les redstone, 4, c'est bon. Marqué. Attends, on va réussir à faire quelques petits trucs ce soir, c'est au moins ça. Les lights, 6, c'est bon. Les vies, il m'en faut 15. Grand-père, il fait son truc, tu sais. Ah oui, il fallait du style. Ça, on en a. Je vais pas refaire la blague, c'est bon, une fois ça suffit. Et maintenant, on a du fer. J'espère qu'on a de la redstone, hein. Oh putain, tu te fous de ma gueule. J'ai vidé toute la redstone, genre il y a 15 minutes, quoi. Mais je vais aller t'en rechercher parce que ça, c'est moi. Je vais aller en chercher. Au début du truc, j'ai testé un truc, j'ai utilisé. Je sais pas combien de blocs. Je vais aller Il t'en faut réparer combien? ma. Comment on répare ma pioche, là, ma bronze pickaxe? Avec du Bah, tu te bronze? fais. Ouais, tu te fais du bronze et puis voilà. Il t'en faut combien de la redstone là? Un petit stack. Mais ils sont où les trucs de Tinker? Ah, ils sont là. Tool forge, bronze. J'espère qu'on a du bronze. On n'a pas de bronze. Bronze, c'est quoi? C'est iron et. C'est cuir et tin. Non, c'est pas du cuir. C'est du tin et quoi? Du cuivre et du tin, ouais. Ah, du Copper. cuivre, copper. J'ai compris cuir. Ok, on va aller grinder ça et on va se faire du petit bronze. Pam 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 pam. Attends, faut que je regarde dans Faut quel juste coin couler un je bronze suis. sur la pioche, évidemment. À quand Snoop Dogg dans KTP? Attends, il a fait. C'était quoi? C'était Battlefield, Snoop Dogg? Oh, des barres. Je te jure. Pouvoir changer ça alors du coup. Oh, c'était pas Snoop, c'était qui? Si, c'était Snoop, c'était qui? Non, c'était pas Snoop, c'était. Oh, ça fait de l'or. Ah non, 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 faut pas qu'il cuise. Oh, je suis un bolos. Ça, c'est vrai. Oh, what? Ça fait pas du bronze, ça? Copper et tin, si, ça fait du bon, 100%. Ah oui, mais c'est 3 coppers pour un tin. Ouais, après, je crois que tu peux le faire avec des lingots aussi. Ah non, c'est un pour 3, t'as raison. What? Ah, ça se fait qu'avec des lingots, apparemment. Non, moi j'ai fait mon bronze. Wow, une contrainte. Ouais, je crois. Bon, là, on va faire tout cuire. Dis-moi, il y a moyen que tu mettes un seau d'eau dans la. Dans la l'appareil là, dans la wireless truc. Ouais. Parce que je suis tout en bas, ça me fait chier de C'est remonter bon, tout en haut je l'ai mis. pour. Merci. Ça, c'est quand même vachement pratique. C'est clair. Bon, on fait tout cuire, les mecs. Attention, on va le mettre dedans. Bim, Ouais, tout bim. ça pour ça. Mon piège pour te faire faire le placement de produit le plus classe du monde n'a pas fonctionné. Plus sérieusement, je viens d'acheter Minecraft. Ah, pour installer des mods, alors t'as soit les mods pack.
Soit tu les fais manuellement et utilises multi-MC pour ça. C'est bien foutu pour l'installation de forge et tout, et ensuite. Ouais, si tu t'y connais pas, je t'invite d'abord à installer Curse, parce que moi, quand je comprenais rien, c'était très bien au début, quoi. T'as les mods pack en direct, t'étais tranquille. Par contre, si tu veux juste installer des mods spécifiques, multi-MC, c'est très bien. Alors, on a du tin, on a du copper. On peut pas en faire autant. Ouais, c'est You are no customer, the white manually pickaxe. Ah, cool, elle a encore pris en degré alors. What an Englishman. Ah. Tu veux qu'on en parle? Quoi, my accent is beautiful. Oh, d'ailleurs, faut que je réponde. Oh, YouTube, il voulait que je participe à un reportage sur le gaming, je sais pas trop quoi, mais c'est en anglais, donc je lui ai dit, bah, écoute, frérot. L'anglais, je le comprends très bien, pour parler, c'est pas le même délire, quoi. J'ai parlé anglais avec toi? Bah quand on était à Miami. Je crois juste. Ah oui. Oh. Ouais, mon anglais est infâme. Toi, le tien. Alors, j'ai plus de vocabulaire que toi, mais par contre, ton accent est Ah oui, carrément. Mais j'ai plus de vocabulaire que toi. Bah tu sais, moi j'ai commencé l'anglais il y a à peine un an en fait, hein, en Ouais, vrai. je sais, c'est pour ça. Officiellement. Mais après, voilà quoi. Tu vois, Non, j'écoute mais beaucoup quand tu débrouilles super bien. même. Ah, je me débrouille quoi. Ouais. Disons que je sais me nourrir, je sais me déplacer. Et ça me suffit pour le moment. Ouais, Snoop Dogg, c'était à Battlefield, effectivement. Tu sais te faire comprendre, et c'est là le plus important. Merci, Félix. Donc ouais, c'était tranquille, ce petit match. Referas-tu du World of Tanks Coco un Speed jour? Fantôme. Bah, s'il y a une OP, ouais. Ah Alors, faut savoir que World of Tanks, ou toutes les vidéos que j'ai faites, ça a toujours été sur des OP. En soi, je trouve ça cool, mais c'est pas un jeu que je jouerai tous les jours, tu vois. non, ouais. Après, je comprends que des gens y jouent. Ah, t'es bientôt à la base, c'est cool. Quoique, Qui ça? t'es pas très loin de la base, toi, non? T'es en train de Ouais, je miner? suis pas loin. Ouais. Je suis en train de miner, je suis juste en dessous de toi. Là, j'ai déjà fait 49. Est-ce que t'entends ça? Non, je t'entends rien. T'entends pas la musique? Putain. Non, mais là, j'ai mis la mienne de musique qui tourne en boucle. Non, mais sur Minecraft. Non. Pas où t'es descendu? Putain, elle est où c'est... Oh, je suis descendu par des chemins de merde. De traverse. Oh, de l'or. Tant de l'or, je prends quand même. Ah, redstone. Bon, après ça, je m'arrête. Hop, plus de redstone. T'es à quelle hauteur? Couche. J'ai un stack. Je suis en couche 11, 10. Ah, bah, t'es pas loin, en fait. Attends, j'arrive. Où es-tu, petite âme? Bah, ouais, t'es pas très loin de moi, là. Mais là, Voilà. je suis dans des. Je suis en Je couche suis dans. 18. Attends, je vois pas ton pseudo. C'est bon, je vois là où t'as miné. Juste devant, je crois. Attends, pourquoi je vois pas ton pseudo? Ah, si, t'es là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ton truc? C'est quoi ça? J'ai chopé un CD. C'est un truc de Jurassic Park. Putain, oh purée, c'est très. C'est quoi cette musique de merde? Oh putain. Mais c'est exactement le genre de musique que j'aime, hein. Ouais. Elles viennent d'où ces grottes? Elles étaient déjà là? Ouais. Là, tu vois, on a une remontée directe à la base. C'est splendide comme musique. T'écoutes ça toi tous les jours? Non, pas du tout. Je sais même pas ce que t'écoutes comme musique en fait. Pas ça. Tu Ah. passeras quoi? Ok, je crois que je t'ai perdu sur le mot post-rock. La musique relaxante. C'est bon, la pioche est Ah, au pas fait, j'ai posée. relevé ton défi là. Le gâteau! C'est C'est un pas peu mon déçu, défi, je mais crois. c'est trop cool, le gâteau défi. Gâteau! Alors, combien de temps? 2 heures? 3 heures? 5 heures?
Je crois que tu vas vraiment pas être déçu, mec. Tu vas même être impressionné, je crois. Tu vas te dire putain l'enfoiré, je crois. Ah, t'as fait mieux je que moi. Je ne spoilerai pas. Je sais même pas quand est-ce qu'il faut que je la monte d'ailleurs. Je crois que ça va paraître demain. C'est ta femme qui monte. Je trouve tout sauf. Sauf de la redstone, c'est relou. Ça. Wow. Wow, t'as j'ai le rollback de l'infini. On en parle ou pas, les mecs? Oh putain, tu lags là. Ah. C'était voilà, chargé film de boule en bas. Oh, mec, j'ai niqué le chemin. Ah non, c'est bon, je peux réparer. Ah ouais, sauf que c'est relou, les mecs. Faut attendre que ça pousse. Ça, je trouve ça que c'est une aberration. Alors. Ah ouais, je pense que ton père, il est sur un gros film en HD là, non? Ouais. C'est possible. Merci, Violet. Que conseillerez-vous? Ah, c'est une question à prof aussi. Que conseillerez-vous à un étudiant blasé des études qui ne trouve pas de son intérêt à pas regarder des gens comme vous s'amuser? Attends, et ça coupe à mort là ton. Attends, je reviens. Vas-y. Pam, pam, pam. Comment ça, mauvaise foi? Je vois pas de quoi vous parler. Spécialiste de la pâtisserie, c'est exactement ça. Merci, Copernic. Voilà, j'espère que monsieur Aipierre aura suffisamment de redstone comme ça. Je crois qu'on va rentrer à la base, enfin si je retrouve mon chemin. Alors, où est la base? Où est la base? Alors déjà, il y a sa musique. En plus, il me le laisse comme ça. Voilà. Je sais pas par où elle est la sortie. Attends. Ah, oh, pourquoi je suis pas en caverne? Vas-y, c'est bon. On est où? Allez, Pierre. Ma base. Putain, je suis où, là? Ah, c'est moi, là. Donc là, je fais demi-tour. Et gauche, shoot. Ou alors, attends. Demi-tour, droite, shoot, et je remonte. Demi-tour. Droite, shoot, et je remonte. Pff. C'est quoi, ça? Ah, là. Non? Ah, là, je me souviens, je suis déjà venu, là. Attends. Voilà, c'était par là. Ouh, j'ai retrouvé ma chambre. Ah, c'est là où il y avait un spawner. Là, il y a un spawner, regardez. Oh putain, il a un samouraï, lui. Attends, je vais en prendre un autre. J'espère qu'on va le récupérer, son samouraï. Il est où, le gars, au samouraï? Oh putain, il y a un samouraï qui est tombé. Il y a un samouraï qui est tombé au combat. Ouais, je viens de récupérer un samouraï. Bon, j'en ai profité pour bouffer un petit morceau de chocolat, les mecs, hein, faut pas déconner. Un coup, j'ai un rosé. Donc un oui. Morceau de chocolat. Ouais, donc c'est bon, je t'entends bien. Ouais, c'est bon. La question, c'est ça, t'es chargé la mise à jour de Candy Crush Saga, tu vois et tout. Non, la question, c'était question à vous deux. Un prof, ça aide aussi. Que conseillerez-vous à un étudiant blasé des études qui ne trouve pas de centre d'intérêt à pas regarder des gens comme vous s'amuser? Aïe. C'est pas évident, quoi. La première chose, c'est si tu es blasé des études, c'est pas des études dont tu es blasé. Enfin, après, le problème, c'est qu'on sait pas à quel niveau tu es d'études. Ça a toute son importance. Bah, dis-toi déjà que t'es pas tout seul, tu vois, il y a plein d'autres. Il y a énormément de gens. Regarde. Le truc, c'est de trouver le secteur qui te plaît. Je vais te prendre un cas concret, et c'est pas plus tard que tout à l'heure dans ma famille, donc tu vois, comme quoi. En fait, si tu veux, moi j'ai un neveu qui était alors là, il était en troisième, donc il était en quatrième peut-être, et ça ne lui convenait pas du tout. Mais alors, vraiment pas, c'est-à-dire qu'il réussissait pas, et puis du coup, c'est un cercle vicieux, du coup, il avait des mauvaises notes, et ses parents lui mettaient la pression, et comme on lui mettait la pression, bah, il avait encore des plus mauvaises notes, etc. Et puis d'un coup, il a changé de voie, il est parti en électricité. Et alors là, les notes ont décollé, tout a décollé, quoi. C'est-à-dire, ses potes, ses parents lui ont pu mis la pression, ça lui plaît ce qu'il fait. Il a trouvé ce qu'il aimait, en fait. C'est aussi simple que ça. Et le problème, généralement, c'est pas les études qui te blessent, c'est ce que tu fais à l'instant T qui te saoule. Mais moi, je vais prendre plein d'autres exemples.
Bah moi j'étais un G quand même, et enfin dans l'info ça m'a cassé les couilles ce que j'avais fait. Alors j'ai eu la chance d'avoir YouTube qui m'a fait une porte de sortie, mais si j'avais pas eu YouTube j'aurais certainement cherché autre chose. Moi c'était après les études, mais ça revient un peu à la même chose. T'en as certains qui suivent les études parce qu'on suit les trucs et qui se rendent compte. Et vaut mieux se rendre compte que ça te saoule avant de finir tes études que après. Ouais, c'est sûr. Mais c'est qu'il faut avoir un minimum de motivation quand même, quoi. Il faut pas se laisser aller, voilà, il faut chercher, quoi. Il faut chercher, il faut se dire, tiens, je vais aller voir, peu importe ton niveau, une conseillère d'orientation ou aller voir quelqu'un qui va savoir me dire ce que je vais aimer, quoi. Parce que si tu cherches pas, c'est sûr que tu vas rester dans ton canapé. Hein. Faut déjà réfléchir quels sont tes centres d'intérêt, qu'est-ce qui pourrait te plaire. Et c'est en associant certains centres d'intérêt que tu vas découvrir des trucs. Est-ce que tu aurais de la redstone, prof, à mettre dans le... C'est fait déjà. Ah, merci, c'était pas fait il y a 5 secondes. Si, si. Le mytho. Le mythoman. Donc voilà, je dirais ça. C'est marrant parce que tu sais, quand on fait des antennes libres avec les profs, tu sais, où on est 4-5 profs, puis on laisse venir les gens nous poser des questions, et on a énormément de questions d'orientation. Ça me trouble parce que je sais que dans les établissements scolaires, il y a déjà normalement des gens, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il y a autant de jeunes qui sont paumés? Et pourquoi c'est à nous, alors que c'est pas le métier, qui sommes en train de répondre, quoi? Tu vois? C'est Je fou. suis bien d'accord. Attendez les mecs. Ah ben non, mais je suis un bolosse moi. Je peux même plus crafter des pistons. Monsieur Aipierre, je t'ai vu, t'as pété des plantes ici. Non. Hein? Quelle plante? De quoi ou ça? Merci, Ah non, HMPS. je l'ai pas Aipierre. pété celle-là. Est-ce que J'ai je vais perdre pété une un main? chemin un peu plus loin, mais je vais péter ça. Ah si, 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 je viens de voir les petits trucs, j'étais pas là, j'étais sous terre. Donc si, si, tu l'as pété, là, celle-là, là, garde. Ah mais j'ai dû sauter, t'es Ouais, c'est en me ça, ouais. Mais ça, déplaçant. c'est chiant que ce soit pas protégé. Ouais. HMPS, est-ce que je vais faire une rencontre avec mes modos en IRL? Bah écoute, peut-être, pourquoi pas. Genre nous inviter à manger des frites ou des pâtes carbo. Ouais, bien sûr, ouais, tu vois. Au début, j'allais dire oui, puis maintenant. Putain. Je suis en première année de fac. J'ai fait langue. Je me suis réorienté en bio il y a 3 semaines. Il faut savoir que j'ai toujours adoré et été bon, mais je n'ai jamais trouvé quel métier pour moi sans intérêt pour en faire ma vie. Pars pas du principe que c'est pour faire ta vie. Faut juste réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire là maintenant et dis-toi que de toute façon ça changera. Hein. Ouais, alors ça c'est extrêmement important ce que tu dis, et j'en suis persuadé. Aujourd'hui, personne ne fera ses études pour réaliser un métier comme avant. Ça, c'était dans les années On est plus dans la 80, période où quoi. tu rentres dans une boîte et t'en sors à la retraite, quoi. C'est terminé ça. Et Voilà, ça n'existe plus. au-delà de l'entreprise où ça n'existe plus, même pour le métier, ça. Enfin, si, t'as certains métiers, oui, mais faut être un réel passionné, quoi. T'en as certains qui veulent pas changer ce qu'ils font parce qu'ils adorent ça. Mais le nombre de gens que je connais qui aimaient ce qu'ils faisaient et qui l'ont fait parce que c'est ce qu'ils voulaient faire et que ben 5 6 ans après finalement ils veulent faire autre chose, il y en a plein donc après c'était en première année de fac, t'as le temps de découvrir, au pire Oui, c'est tu pas non laisses le plus. temps. Alors t'as fait langue, ouais, c'est particulier comme secteur. Bio, oh, c'est chiant la bio. C'est difficile à dire. Est-ce qu'on a une... Ah oui, de l'électro. Regarde, même moi qui ai fait des maths, j'ai trouvé des trucs à faire dans la vie. Eh, c'est pour dire. Si même les profs de maths, ils trouvent des choses à faire, merde. J'avoue. Oh merde, j'appuie sur la Bon. mauvaise touche, les mecs. Excusez-moi. Oh, putain, j'ai le pied engourdi. Ah. Bah Y a alors? pas un proverbe, pied engourdi, non. Famoli? Ah, femme! J'ai toujours pas eu à manger. C'est quoi ce bordel? Elle m'écoute pas ou quoi? Ah non, elle est en train de regarder Downton Abbey, là, je suis sûr. Non, y a pas Grey's Anatomy ce soir ou je sais pas quoi. Mais non, Downton Abbey, putain, toi, t'es trop pas à la mode. Oh là là, il est décevant, ce Downton garçon. Abbey, c'est un truc sur les religieux? Pas du tout. Pas du tout. C'est une nouvelle série. Enfin, non, non, c'est pas du tout une nouvelle série, d'ailleurs, j'ai une bêtise. C'est une série sur. Dans les années 1900. 1910. Ouais, c'est 1912 parce qu'il y a le Titanic au départ, ça commence là, et jusqu'à la guerre. Et en fait, c'est en Angleterre, un château bourgeois, tu sais, la haute bourgeoisie. Et tout ça. Et ça parle beaucoup des servants, tout ça, etc. etc. Comment on fait des toasts déjà? On a quoi comme carburant à part du colle? Bah ouais, je l'avais pas fait ça.
Ah, on a de l'anthracite. Ou du bitumus. Ça me saoule. Ah, il faut du beurre, mais je suis bête. C'est bon le beurre. Pourquoi le beurre? Merci le nain informaticien. Connais-tu un bon youtubeur qui fait des tutos de programmation de mode Minecraft? Alors non, pour une raison simple, et je crois qu'il sera d'accord avec moi, prof. Tous les programmeurs de mode Minecraft sont chelous. Il a pas écouté, prof. Non, t'es pas d'accord? T'as dit quoi? Tous les modes... Les quoi t'as dit? Tous les codeurs de mode Minecraft, ils sont chelous de base. Ah oui! Ah ouais, alors là, mais carrément, ouais. Oh, je jure. Non, là, pour le coup, c'est vrai. Non, 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 ils sont pas. Il y a quelques exceptions, mais personne ne fait des tutos là-dessus. C'est de la prog, c'est très particulier Minecraft en plus. Ça, tu sais, des bons devs Minecraft, il y en a peu, enfin, de mode Minecraft. Et je crois pas qu'il fasse de tutos. Faut demander à Az. Faut qu'il se lance là-dedans. Il va streamer. Demande-lui des streams tuto codage mode. Ah, il va stream? Ouais, je sais pas. Il changeait tout son matos pour streamer. Je sais pas trop quoi. Il m'a dit ouais, je vais commencer, je vais faire du stream et tout. Ah Je sais ouais? pas combien de temps il va tenir. Mais je lui dis bah vas-y, vas-y, chaud. Mais t'as pas de tuto. Là, si tu veux, ce qui est compliqué, alors faut déjà que tu maîtrises le Java. Voilà. Et une fois que tu maîtrises le Java, eh ben. Ouais, faille à maîtriser, maîtriser, hein, parce que si tu veux, moi je suis de la vieille école en termes de dev, toi t'es un peu comme moi aussi, et t'as les gens qui disent maîtriser le Java et qui font du gros caca, qui font de la mauvaise instanciation, etc. Et quand tu fais réellement des tests de leak memory ou des trucs Ah, comme ça, c'est la tu merde t'aperçois que totale. c'est codé comme les pieds. Alors ouais, Ça... ça va marcher, mais ça a marché 5 minutes, et puis c'est pas adapté, et puis c'est pas... Par contre, ça, c'est un problème, que ce soit des mods ou des. C'est que c'est codé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rigueur. Ça, je trouve. Enfin, Oh là là, les jeunes qui... Ah, Mec, ça m'énerve. moi, quand. Je le vois dans certains trucs, moi, quand je développais à l'époque, enfin, t'as un minimum de rigueur. Déjà, tu gères les exceptions. Tu. Ah mais Et ça le. existe pas, ça, tu vois. Y a personne qui le fait aujourd'hui, pourtant c'est un truc de base qu'on t'apprend, et c'est super utile. Ah merde, Quand tu c'est codes dégueu. un truc et que t'as un bug quelque part, parce que ça arrive, au moins, t'as tout qui est putain de tracé, tu sais exactement où ça s'est passé, tu sais qu'est-ce qui a fait bugger, et tu peux le corriger très rapidement. Parce que quand tu dois gérer des programmes où. Et j'ai Et puis fait. de toute façon, si vous voulez un jour être de bon dev et que ce soit fidélisant dans votre travail, bah, il faut faire un travail qui est de la qualité, quoi. Tu vois, c'est pas parce que ça Exactement. marche une fois que... Exactement. Et moi, c'est quoi à dire, mais un truc qui m'a dégoûté un petit peu du Oui. dev, justement, c'est quand j'ai dû. À un moment, on a récupéré, c'est quand je bossais là, un fond, on a récupéré le projet d'une autre boîte et tout. Et on a dû récupérer le code qu'ils avaient fait pour le remettre au goût du jour. On récupérait un projet en fait, qui avait déjà été dev et on devait faire une mise à jour et le recoder. Ouais. J'ai jamais vu du code aussi sale. Mais quand je te dis Ah sale, c'était du. Enfin, c'était. Ça méritait la prison, quoi. Enfin. là, Déjà, dis-toi que tout était dans une seule classe Java. Tout. Il y avait tout. C'était un fichier de 10 000 lignes. Et c'était infâme, j'ai jamais eu du code comme ça. Et repasser derrière, et d'ailleurs à un moment j'ai dit à mon chef de projet, j'ai dit tu sais, on ferait mieux de tout recoder à zéro en fait, plutôt que de corriger le code. C'est plus simple de tout recoder à zéro quoi. Il arrive un moment. à un certain moment, ouais. Mais c'est clair, hein, tu dis ça, mais c'est Tu dis non, c'est exactement plus ça. simple de repartir sur des bases propres, c'est pas Ça possible. m'étonne, mais alors vraiment pas. Alors, attends, on va corriger le truc là. Donc voilà, donc faire des tutos programmation, en plus le chien. Merci Violet, je sais, mais la bio, les sciences, c'est ce que j'aime le plus. Je pensais que ça me plairait, mais je sais pas, les cours ça m'énerve, enfin bref, je verrai bien. Alors peut-être que l'autre problème que tu as, Violet, c'est ce qui te pose problème, c'est que c'est que du théorique et pas de l'applicatif. J'en ai connu des personnes comme ça aussi. Et dans ce cas-là, il faut te réorienter dans une filière un peu plus professionnelle. C'est-à-dire rester dans ce secteur-là, mais avoir plus du pratique. Je sais que C'est ça. j'en ai plein qui, que je connais qui se sont épanouis énormément en ce qu'on appelle filière professionnelle, qui est du pratique, alors qu'en théorie, ça leur cassait les couilles, quoi. C'est temporaire, l'effort, t'inquiète pas. Non, non, mais je m'en fous, tu vis ta vie, hein. Parce qu'effectivement, enfin, c'est vraiment chiant de chez chiant des fois en théorie. Donc c'est peut-être ça.
Ou souci. Merci HL, le problème des conseillers d'orientation officiels est qu'ils font peur parce que les jeunes pensent qu'ils sont là pour les caser. Et c'est sûr que comme c'est officiel, eux-mêmes sont blasés. Vous, vous faites du gaming, donc vous êtes cool. Pourquoi Bah, il n'y a pas de bonjour. discussion sur ta question? Ah, parce que t'es parti dans une école Rocco Siffredi et parce que c'est pas une école qui existe. Quoi? Tu parles de quoi? J'ai eu un type qui disait que le geek du fil, il a été dans une école de Rocco Siffredi, voulait savoir si c'était une bonne orientation. Attends, peut-être qu'elle existe vraiment et je dis encore une connerie. Hein, tu sais, et la dernière fois, on m'a parlé de Poppy, mais moi je connaissais pas, tu vois. Et j'ai dit une grosse bêtise, quoi. J'ai fait, c'est qui Poppy? C'est une actrice porno ou quoi, tu vois? Mais je savais pas, moi, que c'était une enfant. Enfin, une enfant, une youtubeuse, quoi, tu vois. Je dis une enfant parce qu'elle est carrément plus Ah, jeune que mais c'est moi, quoi. Poppy, c'est la copine de... Du coup, je suis en train de taper sur Internet École Rocco C'est Siffredi en pour a... vérifier. Ah, bah si! Eh bah écoute, il existe vraiment une école Rocco Siffredi. Comme quoi? putain. Tu rigoles, mais le marché du porno, c'est quand même le deuxième plus gros marché mondial. C'est un truc de fou quand Pour même. moi, le porno, il y a deux secteurs qui permettent de faire avancer la technologie, l'armée et le porno. Et c'est vrai. C'est vrai, mec, la 3D, ça a existé grâce au porno, en fait. Et t'as plein de trucs comme ça qui font avancer énormément la technologie. Pourquoi tu casses tout, là? T'as Bah quel parce qu'en fait avantage? sinon je peux pas aller chercher les trucs en dessous donc il faut que je mette un autre hopper plutôt, faire un Merci truc un peu plus. Violet. En tout cas, ce que vous faites m'aide et ça m'a plaisir de soucis. Je peux pas faire grand-chose à part un merci chaleureux et un kiss. Bah, écoute, merci à toi. Des bisous. Ouais, nous on fait du gaming, on est cool. C'est comment dire? Tu C'est t'auto-congratules? non. C'est le mec qui me disait ça. Ah, ok, parce que j'allais dire, je fais putain, le gars il Bah, c'est s'auto-congratule. Ouais, moi je suis un surtout mec cool dans la vie. au-delà de faire du gaming quand on est cool, je pense qu'on fait ce qui nous plaît. Et c'est pour ça que c'est cool. Bah après toi t'es youtubeur professionnel aussi, hein. Moi je suis pas une Youtubeur grosse pute. professionnel, tout de suite les grands mots. Mais non, mais professionnel parce que c'est ton métier, ça veut dire que t'as des Oui. contraintes professionnelles liées à YouTube, c'est parce que C'est mon boulot de tous les jours. Voilà, c'est tu vas pas au bureau mais tu travailles, donc c'est pour ça. Mais c'était pas un Non, je sais, je sais, je péjoratif sais, au je contraire, rigolais. hein. Ah bah Quand je non, dis quelque j'espère chose bien de que c'est pas péjoratif, c'est péjoratif, yo. tu vois, c'est quand je dis t'es moche, tu vois. Bon là, voilà, c'est tout, c'est un T, on s'en fout quoi. Non, et les jeunes, vous inquiétez pas, on s'entend super bien dans la vie, hein. C'est pour ça qu'on se taquine La comme prochaine ça. fois, je te mets une grosse claquasse. Pourquoi tu fais passer du... Ah non, tu transformes de la cobble en gravier. Ouais, bah tu sais, c'est pour faire les chemins là en dessous. Putain, elle est belle cette machine quand même. Je demande qui l'a construit, franchement. Ce mec est un génie. Ouais, sauf qu'en fait, à savoir, je sais pas si t'avais tourné une vidéo dessus, mais lui il arrive dans le biome, il dit tiens, je vais faire une machine en plein milieu de nulle part, j'aplatis tout, puis je laisse tout dégueu, quoi, tu vois. Bah, comment ça? T'as Franchement, vu la maison qu'il y a autour? je J'avoue que j'ai aplati. Tu sais que c'était temporaire au final cette machine, mais vu comme tu as bien fait les choses, je vais la laisser définitive. Ah, mais tu peux la péter à faire d'autres choses, hein. Je m'en fous, moi, tu sais. Moi, je me fais pas de soucis, je m'amuse en fait. Quand je vois un truc, je le fais. Alors. Merci HL, je cherche de la trop haute qualité dans mes devs. Ça fait chier mes chefs parce que je suis trop lent. Citation, codez toujours comme si type à qui la maintenance code finira. Ah ouais, mais alors non, c'est des mauvais profs ça. Eh ben, pas tant C'est. que ça. Il n'y a pas longtemps, je sais pas si tu te souviens, lors de la réu avec Mister quelqu'un, eh ben en fait, il disait, et j'ai trouvé ça hyper pertinent, qu'on a tous commencé par un programme merdique au départ. Tu vois Non, mais ce que je veux dire? là c'est les profs qui lui disent. Ouais? Ah! J'ai peut-être pas compris. Non, ah c'était chef, ah c'est différent. Codez toujours comme si le type à qui la maintenance de votre code finira est un violent psychopathe qui sait où vous habitez. Ah! C'est pas mal ça. Ah bah non, donc s'il te dit ça, ça veut dire que justement, faut que tu codes proprement. Ah ouais, ça c'est autre chose encore, putain. Mais non, mais au début, on a tous commencé, c'est comme ça que t'apprends par des programmes très dégueulasses. Ça, c'est normal, c'est bien. Mais Ouais, et puis il faut des programmes pas terminés. ouais, c'est comme ça que tu t'entraînes. Mais par contre, avoir une certaine rigueur, le problème c'est qu'effectivement en entreprise, ils te disent bah tu dois coder ça en 5 jours. T'as pas de la bouffe? Les trucs bons à manger. Attends, je regarde ce que t'as dans le coffre. Peux me préparer un petit plat là, s'il te plaît? Attends, je vais.
T'en préparer un ou deux, bouge pas. Tu veux des bons trucs, c'est ça? Je prends un petit snack de pineapple. C'est juste pour reset la bouffe. Alors... Oh bah non, c'est bon. Mais je veux bien, ouais, je sais pas, des burgers, un truc comme ça. Je te fais plus vite que ça. Une petite pomme d'amour, déjà. Ah. Donc ouais, non, c'est important d'avoir la rigueur, mais effectivement, t'as toujours la pression d'entreprise où les mecs vont te dire « Oh, tu codes pas assez vite, on doit rendre ça pour demain, lalala. » Donc, effectivement, t'as ce problème-là. C'est la vie. Merci, Captain Kiwi. Alors après, en vrai, sache-le, tu peux dire à ton N plus 1, enfin, tu peux pas lui dire va te faire foutre officiellement, mais tu peux prendre ton temps, pourquoi? Parce que les projets qui sont vendus, généralement, un truc que tu vas mettre en codant très proprement et en temps rigoureux, tu vas mettre 3 jours à coder, il sera vendu entre le triple et le quadruple au client. C'est-à-dire que sur le papier, il sera vendu aux alentours de 10 jours homme, voire un peu plus. Toujours, hein, toujours comme ça. Moi, j'avais des projets qui étaient vendus en jour, ce qu'on calcule en jour homme, c'est journée de travail. Ça s'appelle comme ça. Et t'as, en gros, quand tu fais quand tu vends un projet, tu fais des estimations de charges en disant ça, il faut tant, et au final, ça te fait un total de jours homme que tu répartis la charge au niveau de dev simple, de dev plus qualifié, etc., qui ont tous des tarifs différents, et c'est des tarifs au jour homme. Donc, c'est comme ça qu'ils sont calculés les coûts des projets. Et moi, ça m'est déjà arrivé de mon chef de projet qui a vendu un projet de... C'était 15 jours hommes, ça veut dire 3 semaines de travail, parce que les semaines sont qu'à 5 jours. 15 jours hommes que j'ai fait en 48 heures. Donc la rentabilité est pas dégueulasse. Mais bon, après c'est normal, ça fonctionne comme ça, parce qu'on a des périodes à blanc où on fait rien. Mais j'ai des projets de 15 jours hommes que j'ai fait en 48 heures. En codant tranquillou. Hein. Après c'était un peu spécial parce que c'est des projets qui se basaient... Ah merde, je suis pas à récupérer avec le bon... C'est des projets qui se basaient sur... sur des, enfin une architecture qu'on avait créée plus ou moins, qu'on avait fait sur d'autres projets, donc t'as déjà toute la base qui est là et t'as juste à faire les trucs spécifiques au projet pour ce client là, donc ça va beaucoup plus vite, alors que la base avait été longue à dev quoi. Comment on répare? C'est dans quoi? C'est dans la crafting station? Réparer quoi? Ta hache là? Ouais. Non, c'est. Bah non, c'est du tinker, c'est dans. Je sais plus comment elle s'appelle là, dans celle la derrière. La forge, mais j'ai mis du bronze, ça marche pas. Non, 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 là. Ah, mais ici. Parce qu'il y a un autre outil dedans là, qu'est-ce que t'as laissé là, comme un connard là? Oh là 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 là, sésame. Oh là, c'est bon, ça va. Comme un connard, gna gna gna. Le gars, je lui fais à bouffer et tout, il arrive encore à râler. J'avoue. Quoi. Merci pour ce doux repas. Enfin, attends, je t'avais pas encore donné. Ouais, je sais. Mais j'attends ta pomme d'amour avec impatience. Ah non, je te fais pas que ça, je te fais plein de trucs. Oh, oh là 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 là, une vraie femme au foyer. Wow, wow. Sexiste et tout. Merci Captain Kiwi. Tu sais, merci. Il y a une chaîne YouTube qui fait des mini-interviews sur les youtubeurs. PS H3 Ijoud, la modératrice de prof est méchante. T'as vu? T'as des modérateurs qui sont méchants. Non, moi mes modos sont extrêmement stricts, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que un gros mot, des aussi, mages, c'est mort quoi. Les miens aussi. Donc moi je perds pas mal d'abos en général juste à cause de ça, mais je m'en fous, je veux un truc hyper, hyper clean. Hyper clean. Ah ouais, ouais. Bah en même temps, si tu veux, je défends une certaine image en tant qu'enseignant. Sinon, donc c'est normal quoi. Déjà, moi, je me fais engueuler par mes modos, quoi. Quand je dis des gros mots ou des trucs comme ça, ou par les autres profs. Mais puis ça me dérange pas, c'est tout, ils ont raison. Donc j'essaie d'en moins en dire. Mais oui, je lis le chat Spirit, mais il y a tellement de tips et on discute tellement que... Tiens, ta bouffe, elle est là. Regarde, bon. Je t'ai fait un joli plateau repas. Ah, mon code, il marche plus avec Pubisoft. Bah, je pense que c'est... le Pubis, c'est passé. Je vais demander à Jean. Ton code Pubis? Ouais, j'avais mon code Pubis. Désolé, désolé. Je lis, mais j'ai le cerveau ralenti ce soir. Le nain informaticien. Merci, le nain informaticien. J'ai codé un jeu comme projet de DUT, mais dommage, le portage texte graphique a tout cassé. Ah, ça. Moi, vous savez ce que j'avais fait comme jeu?
En école d'ing, j'avais fait un jeu de. C'était quoi? C'était un puissance 4? J'avais fait un jeu de puissance 4 avec une intelligence artificielle. En Ah ouais? C. Ouais, avec une intelligence artificielle. J'ai jamais bossé sur l'IA, mais j'aurais vraiment Oh, voulu. pas... En fait, sur un puissance 4, c'est pas compliqué parce que t'as pas 50 milliards de combinaisons. C'est Non, 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 une mais même de intelligence manière artificielle. générale, je trouve que Je ça va pense que c'est être. super intéressant. J'ai un ami qui est, ouais, qui est super élevé et qui travaille sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il est sous-traitant chez Google, donc tu vois, Ah oui. c'est pas de la merde. Ouais. Chaque fois, je bois ses paroles, quoi. Ah, je pense que c'est vraiment ultra ultra intéressant quoi. Pour le coup. Puis moi, je suis super curieux de ce genre de truc, donc. Combien il m'en faut pour faire 2, 2, il m'en fallait combien? 15. 15, donc il m'en faut 10 de plus. Donc 10 comme ça. Hey, les mecs, on a réussi à crafter un truc. T'imagines que là, t'as fait un craft en un stream, c'est pas mal quand même. Et t'as le craft du stream, hein. Retenez hein, les jeunes. Me Ah manque un merde. piston, fais chier. Ah putain, ici, Ah, quoique t'avais ça va peut-être pas un le faire. piston en stock. Ça va pas le faire. 13, 15. Ah ouais, c'est bon. Je savais bien que t'avais un piston en stock. Ok, ça c'est fait. J'ai le cerveau ralenti, c'est infâme. Alors. J'ai un DUT info où je me plaisais beaucoup, j'aimais dev, mais je me voyais pas faire ça tous les jours pendant plusieurs années. Je suis parti en licence pro, réseau en alternance, je suis rentré dans une grosse boîte de télécom, bonheur. Mais écoute, tant mieux, c'est cool, parce que t'as trouvé ta voie. Merci HL! Donc merci Asthenia. Non mais chef, il me presse un peu, la citation c'en est une que j'aime bien de Rick Osborne. Par contre, mon projet en ce moment, ils l'ont vachement sous-estimé, alors j'ai déjà un mois de retard sur un truc prévu en 3. C'est que ton chef de projet est un mauvais chef de projet. Toujours la faute des chefs. Va voir le patron et dis-lui, il a complètement sous-estimé, vous aurez pu gagner beaucoup plus d'argent, parce que là on pouvait vendre ça, 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 ça. Et le mec il va dire, tu passes chef de projet. C'est un peu utopique, mais pas trop loin de la réalité, quoi. Ça peut marcher hein, en vrai. C'est vrai. Avoir les. Alors après, c'est dangereux. Court-circuiter ton N plus 1. Et ça a tes risques et périls, hein. C'est à double tranchant. Ça peut le faire, ça peut très mal se passer. Alors, je pense que j'ai Voilà. fait quelques bêtises à l'extérieur. Je vais aller corriger ça. Si tu vois des trous à l'extérieur, j'arrive, hein. C'est pas ce que je fais. Il y Mes aura tunnels du sont très bas. sheet metal. Mais on n'avait pas du sheet metal là? Ah non, c'est du steel, putain. Et des iron plates. Fait chier, ça. Hein. Ouais, t'as fait de la merde encore. Bah ouais, je fais plein de trous. Je suis deg. Pourquoi on a plus de fer? C'est toi qui as récupéré tout le fer? Bah Ah non, je l'ai non. pas utilisé, Non, hein, du non, fer. c'est moi qui dis la merde. Alors, sheet metal, ah c'est. Il m'en faut combien? 20. Tout ça? Oh merde, j'en ai crafté une de trop. Oh, c'est pas grave, on fait une en plus. Ouais, il reste deux. J'adore, ça résonne un petit peu. Bon, par Ok, contre. 20. Oh, il me fallait un piston en plus, chier. Je recrafte un piston. Ça marche toujours le point d'interrogation ou pas là-dessus? Ah ouais, trop bien. Quel okay, piston c'est bon. Faut des wooden barrels. Pas... Ah si, wooden barrel. 4 il m'en faut, c'est bon. Faut des Je vais chaudrons. prendre le chisel. Moi, je suis en mode déco là ce soir. Mais Ah tu me diras, sur photo je crois que j'ai encore rien fait de vraiment technique. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire la déco, je m'amuse. ouais. 3, 4. Ok, En fait, donc il n'y a jamais 6. personne qui m'a vu faire de la redstone aussi. La dernière fois, j'expliquais, je sais plus à qui, un truc de redstone. Faut... Bah, tu sais en faire? Bah, ouais. Ah, ouais, si, j'ai fait une salle de tri sur 180 coffres. Et bah, c'est un truc super facile, quoi, tu vois, mais. Ouais. C'est vrai que. Comment mon CPU peut être surchargé? N'importe 4 quoi. et radiateur CPU bloc.
Mon CPU est utilisé à 75%. Pourquoi ça? Oh là là, XSplit! Merci les informaticiens. Moi, c'est un jeu de stratégie tour par tour avec deux équipes de robots à deux joueurs. Un joueur ou une IA ou deux IA en Java et Java FX. Oh. Ça, c'est cool. C'est les projets. D'ici la semaine prochaine, on devrait avoir fini la première machine à cette vitesse, j'avoue. Wow, c'est tranquillou, les streams des dimanches soirs, ça nous permet aussi de, en plus c'est bien avec prof, de discuter tranquillement avec vous. De... C'est ça. Je trouve ça cool. Il n'y a pas forcément besoin de toujours être à la course, à la compétition, au gros zizi. On n'est pas dans les gros zizi là. Si, moi j'en ai un. Non, dans la vie IRL. Ah oui, tout à fait. Donc ouais. Alors par contre ça devient un vrai labyrinthe, c'est exactement ce que je cherchais à faire. Mais j'avoue. Ah merde, elle s'est cassée. Pourquoi tu détruis pas les machines? Pourquoi il y a des amps là qui ont explosé partout? T'as encore cassé les amps. Pourquoi je détruis pas les machines d'Aurélien Sama pour... C'est vrai, j'aurais pu. Mais je voulais les crafter moi-même quand même, le mec. Ouais, et puis parce que ouais, voilà. J'ai récupéré ses ressources, mais faut quand même... Voilà, hein. Ça, c'est la différence entre un bon et un mauvais constructeur, tu vois. Avec le petit Tangsen du sud, c'est la différence. Hein. T'as cher. Entendu que t'as eu un petit. Ouais. Un peu cher. Combien il m'en faut de ces trucs-là? 9. Alors on va aller voir ce qu'on a fait comme bazar. 8. Attendez, il y a eu plein de tips. Oh, ouais. Je vais lire après. Quoi? Combien est-ce que je vais lire? C'est vrai qu'il y a du lag. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Merci Marcio Bobo. Moi, je suis à Epitech. Ouais. Oh. Tu sais que, en parlant d'Epitech, tu sais que depuis que on avait passé nos coordonnées, je sais plus c'était pour Kidscon, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Je reçois régulièrement des courriers d'Epitech et à chaque fois, c'est marrant parce qu'il y a écrit, ton nom et ton prénom. Gérant de le nom de ma société, et ça à mon adresse. Pour de vrai. À chaque fois, je vois ça, ça me fait trop marrer. Non, mais je vais t'envoyer mon courrier, y'a pas de soucis, c'est gentil, hein. Ouais, je sais pas, c'est de la pub. On nous apprend vraiment le codage propre, du coup, c'est plutôt cool. On est vraiment axé sur la pédago par projet, on a plein d'events externes, comme la GGJ. Ouais, pour le coup, Epitech, je pense qu'ils font les choses bien, et. Ouais, et... ouais c'est... En tout cas, les mecs qui en sortent. C'est pas... Enfin, tu peux avoir de tout, mais au moins, t'as des mecs qui codent bien, quoi. On compte à l'inverse de quand tu sors de certaines écoles. Enfin, qui codent bien, qui codent proprement. Et ça, je trouve que c'est très important. Merci. Mais après, tu sais, c'est aussi dans la personnalité, quoi. Dans la ça dépend de chacun, exactement. Chacune, donc, c'est à vous aussi à... Si je passe sponsor ou pas, un conseil. Bah, tu viens déjà de dépenser un demi-mois de sponsor avec ce tips. Bah, c'est comme tu veux, Nolk. Ça change pas grand-chose. Pourquoi un demi-mois? Parce que c'est 4 euros le sponsor. Et il a tipsé 2 euros. Ah! Est-ce que je veux un petit exemple de ton code? Attends. Lâche les boulas, Nolk, rejoins-nous. Ah, bienvenue Miplix! Je ne sais pas si c'était Nolk, mais Miplix est arrivé. Et il manque les générateurs blocs. C'est là. Pas bien? L'enlève. Attends, et mes modos, ils me disputent. Alors, prof, on voit ton chat à l'écran. Bah, c'est bien, non? C'est pas ça que vous voulez? Vous êtes relou, hein? Kiwi, attention. Moi, je vais mettre des fessées aux modos. Kinetic Dynamo. On a le droit de foutre des fessées à ces modos? Bien sûr. Bon, c'est bon. Oh, j'avais fait plein de kinétiques. Oh, il m'en fallait 4, impeccable. Oh, les mecs, on a tout. On peut faire les machines. Voilà, c'est pas mal, là. La question, c'est où on les fait? Faut que je mette une lampe ici, moi. Y a pas de lampe, là. Bah, je pense que je vais faire un farmer, mais je connais pas trop. Toi, t'avais fait un farmer, il faut du soil oil ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais, bon, ça va vite, hein. T'en as pour 5 minutes à le faire. Tu t'es éloigné de ton micro, frère. Ouais. C'est parce que j'ai mon pied qui en gourde. T'as utilisé du farmland, mais il faut utiliser autre chose. Ça consomme beaucoup d'énergie, la farming station, ou pas? Non, ça a pas l'air. Pas mal en fait. Si, ça consomme pas mal en fait. C'est parce que t'as déjà une bonne source d'énergie, mais je crois que c'est. Si. Quand elle est pleine, ça va. Mais. Non.
Puis le plus chiant, c'est qu'il faut tout le temps remettre une houe dedans. Ça, c'est relou. Mais tu peux faire une houe avec Tinker Construct qui. Tu veux que je te dise laquelle c'est? Ouais. Qui s'abîme jamais. Bah, faut que j'aille chez Aurélien, ça va. Lui taxer une houe. Allez, mec, on y va. Moins 1700, 500, hein, c'est ça. Ah, ça y est, ma cloche, elle est revenue. C'est bon! J'ai réglé le truc! Merci Nicolas B. Moi, dès qu'il y a un don qui est fait, en fait, ça sonne dans mon oreille, mais tu sais, comme une cloche d'école, et puis ah, ça résonne. Ça fait et puis ça me défonce les oreilles. Donc, en fait, ils adorent ça parce qu'en fait, à chaque fois, tu vois, je sursaute. C'est intelligent comme système, tu vois. Il n'y a que moi pour trouver ça. Au moins, t'es sûr de pas louper. Bon, allez, mec, on retourne chez Aurélien. Hop. Et bienvenue, monsieur Hugrod. Hugrod. Alors. Du coup, essaye seulement pour la fessée, coquet. Okay. Hein, what? Ah, il parle chez toi, sur ton stream, de mes phrases, c'est bien ça aussi. C'est... Ça parle de SM, moi. Oh là, je crois que j'ai crash. Ah. Ok. Merci Gémonia. Les gens chez Epitech Nice, c'est des branleurs qui ont 90% de la promo. Les gens chez Epitech. Epitech Nice, comment ça? Ou Epitech Nice? Non, il y a quoi? Il y a une. Non, il y a plusieurs Epitech, ouais. Ah bon? Moi, je connais que celle de Paris, moi. Non, il y en a une même à Lille aussi, donc. Ok, alors les. Apparemment, ceux qui sont à Epitech Nice, c'est des gros branleurs. Ça, c'est un gars qui s'est fait virer. Lui, il est pas content, lui. Il a pas assez travaillé, il s'est fait virer, c'est du coup. Et... Un qui ont 90% de la promo qui a redoublé, ça représente 60 personnes. 90% de la promo à redoubler, ça me paraît quand même. Oh, putain, le village vu d'en haut, il est magnifique, je suis trop fier quoi. Oh, mec, il a fait un excavator, il est pas sérieux. Qui ça? Aurélien. Il a le diesel générateur qui est là. Oh, il a tout fait ce que je veux faire en fait. Fuck. Merci Copernic. Il a la raffinerie, voilà, ça transforme tout en biodiesel. Ah ouais, tout le système qu'il a fait. Il y a les poules qui pondent des œufs. Là, on a les deux câbles avec l'industrial squeezer. Et il a déconnecté apparemment. Ou alors, c'est connecté. Ah, c'est connecté par en dessous. Ah, il a vraiment fait ce que je voulais faire. Ah ouais, c'est. La c'est fertilisé de farmland. Et il utilise industrial amp et des potatoes. Alors. Des potatoes? Ouais. Ça me rappelle ma mère, il n'y a pas très longtemps, elle a sorti à ma sœur des potétous. Potétous. Bon, on va reconstruire tranquillement le même système que lui, pour le plaisir, je pense. Je sais pas, pour les gens qui... ça fera en double pour ceux qui regardent, mais... Ouais, non, ce qu'ils aiment, c'est de regarder toi. Alors, on va dessiner les chemins, du coup. Ici. Bon, je vais pas tout casser non plus. Ah, pour... tu lui taxes des trucs? Non, pas du tout. Putain, le gars! Attends, c'est quoi la range de ce truc? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 sur 5. Qu'est-ce qu'il a mis en dessous? Un LV capacitor. Il est connecté comment d'ailleurs? Ah, avec des câbles under IO. Il a un truc. Mais il va revenir Aurélien en mode hop, 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 tu m'as tout piqué là. Alors, fertilized farmland. Attendez, j'ouvre au chat. Alors. Il s'est barré, il a laissé ma voix sur son stream? Non, il a pas fait ça. Du coup, je peux l'insulter tout sur son stream. Genre, et Pierre, c'est un petit zizi. Vous racontez qu'on l'appelle Superman ou des trucs comme ça. Alors. Premier tips de ma vie. Merci à l'intérieur. Et non, pas à l'intérieur. Quoique si, ça se prononce. Juste comme t'as écrit, c'est à l'intérieur. Il faut savoir, tu connais l'école 42. J'ai entendu parler. Ouais, moi je connais très bien. Ah, je voulais y aller à une époque. Ouais, c'était posé la question. Par contre, je connais personne qui est. Bien. Il faut être. En fait, il faut pas être un bon dev. Non, il faut être un développeur de mode Minecraft.
En fait, non, c'est vraiment. Mais c'est bizarre, mais en fait, ils ne recherchent pas des devs. Et d'ailleurs, si t'es dev, t'as moins de chances d'être pris étrangement, quoi. Ils recherchent quoi? Ils recherchent des gens qui ont un mental d'acier, qui ont une logique imparable. Et Ouais, il y a c'est. des gens qui. Tu sais, c'est vraiment sur le profil, plus que sur le. Oui, plus que sur les compétences. Il y avait un super documentaire d'ailleurs à un moment donné dessus. Alors, c'était la bonne réponse? 42? Je sais pas, tiens. Je sais pas. Sexe, poulpe, tuque. Roue de secours. Secours, c'est le plus important. Barbecue. Camoulax. Attends, je reviens dans notre base, enfin, j'essaye. Ah, Merci moi j'en ai. Nolk. Ah bah non, te mets pas dans la merde, mais merci à toi. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils veulent se battre avec moi là, mes sponsors? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Est-ce qu'il t'aime pas? Ah, mais je t'avais dit quoi, fait si on rentrait un bac avec des gens. Bref, il dit. C'est fini, oui. On est Je en vais vous zéro combien, mec? massacrer en UHC. Je sais plus, c'était pas 1400, non? Ah ouais. Ouais, 1364. Ziva, on va planter des trucs. On va prendre de la stone. Bon, j'ai la pioche magique pour le farmer. Plus qu'à le crafter. Par contre, les caps, c'est quoi? C'est du LV ou c'est du MV? Oh, t'as mis du LV, mec. Faut qu'on mette du MV. Où est-ce que j'ai mis du... Ah, À quoi? quel endroit? Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul cap qui est peut-être... Ah Si non non, c'était c'est les miens, du... en T'as mis fait. un transformer, ouais. C'est ok, t'as mis du Ah MV. oui, si. Ouais, parce que sinon les lampes ne s'allument pas, ouais. Je suis obligé. Ouais, ok, d'accord, no problemo. Eh, t'as vu, hein? Je cherche. Juste falloir qu'à un moment... Oh Comment ça putain, j'ai s'appelle? recassé tes trucs de mort. Tiens, on va tester là. Ouais, il faut pas sauter dans la base, hein. Je me suis fait niquer plein de fois et... Ouais, c'est relou. Merci Doy, je suis à Digital Campus et il nous apprend plein de métiers du multimédia. Du code jusqu'à la photo et vidéo. C'est cool. Je connais pas. Merci HL, Lexia. Te colle pas derrière un bouquin avec prof qui évalue ton tableau, mais on te donne une sorte de projet à étudier, à travailler et des objectifs d'apprentissage. Donc t'apprends à bosser comme entreprise. Ouais, bah c'est cool ça aussi. Faut mélanger les deux. Enfin, je sais pas. Je suis pas expert en étudinage. Tiens, on va faire le champ ici, là, 5 fois 5. Je pense que ça rentre. De la balle. Fasse du fertiliseur là. Fertiliseur. Pou, pou. Alors Ah, ça va attendez. faire bien là, ce petit chemin là autour de l'arbre, ça va être 60, super 1, sympa. 2, 3, 4, Fous ça les 5, foires. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ah putain, pardon. Quoi? Ah mon dieu, je pense que j'ai pas dû faire exprès, j'ai augmenté mon son, la cloche a résonné, c'est horrible. Mon dieu. Merci Nolk. Moi j'engueule Enculé, pourquoi t'as tipsé? les... Ah merde, ah putain il a... Ouch. Attends, je vais rebaisser parce que... Hop. Oups là, Ok. je creusais un peu trop loin. Je t'ai piqué un tout petit peu. Non. Non, possible. Si, si, Enfoiré. si. Enfoiré. Je t'ai piqué de la redstone. C'est pas grave. Alors, faut que je fasse des fertilized farmland. Je vais vérifier la max range de... Il faut du chicken manure. T'as du chicken manure? Oh, c'est le caca du poulet, ça! Mais ouais, j'en ai plein. J'ai mis. Dans les moulins, il y a des poulets. Ah ouais, t'en as Donc. 530. Le mec, quoi. Pourquoi t'as besoin de ça au fait? Pour faire du fertilisé de farmland. Ah d'accord. Voilà, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien, ça c'est beau ça. Puis Ah oui. bon, Ah oui, j'en ai fait 64. Voilà. Alors attendez, faut que je mette par contre des petits par contre. seaux d'eau. Bucket. What?
quoi ça à manger tout seul? J'ai pas cliqué sur manger, what the fuck? C'était T'as chaud. mangé du caca de poulet? Bah! Salut frérot, prof t'a insulté quand t'es parti. Ah merde! Ah Merci l'enfoiré! Valdi44. Mais quelle bande de balance t'as commu quand même? C'est des bons. Alors, câblé directement en HV, oui et non, ça coûte beaucoup plus cher en fait. C'est pour ça. Ah, ça fait chier, ça, par contre, tu vois. Putain, c'est Là une bonne où commu, elle mec. T'as vu, il te balance et tout sans pression. est. Je suis très déçu, là. Toi, t'abonnes pas à moi, sinon je te vire. Non, Hop. moi je les aime bien. Ah, voilà. Voilà comme elle est belle. Merde, je me suis trompé. Ah, oh, j'en ai marre, ça fait 2 fois que je fais des bêtises. C'est chelou le truc avec le cocotte là. Alors voilà, là c'est pas mal. Là on va en remettre un. Là c'est pas mal. Là c'est pas encore poussé. C'est pas mal, je suis en train de relier le village de l'autre côté là. Ah non, mais l'excavateur, non, mais l'excavateur, on s'en fout. Là pour l'instant, c'est juste pour alimenter ma ferme. Je vais l'alimenter en HV. Et ensuite, derrière, on alimentera en. Effectivement. En haute voltige, ya! Yeah. 3, 4, 5. C'est là le son, je crois. Allez. En plus, si tu veux, on est dans un bon biome là parce qu'il fait vachement. Pluie. Non, c'est Quoi? pas ça que Pluie? tu Mais veux non. dire? Non, l'herbe est verte. C'est ça que je voulais dire. Ouais, pour une fois que c'est pas chez le voisin. C'est vrai ça. Ah mais je vais jamais pouvoir mettre de flotte ici là, ça va pas aller. Alors, on va On va faire. la Je vais mettre un faire un rang à côté, test on va la deux mettre là. secondes, les gens. Putain, j'ai mal réglé mon son. Je pense que j'ai mal réglé mon son. J'ai dû recevoir un type, je vois pas où il est. J'ai mal à l'oreille droite seulement. C'est bon, ça devrait tout couvrir. Merci Nolk. Ding dong, comme tu dis. Ding dong! Je suis sûr que toi, t'as pas. T'as déjà eu comme ça des gens qui s'amusent juste pour te faire chier, de te tipser pour te faire chier? Bienvenue, Doi09. J'ai eu ça la première fois que j'ai activé les voix. Faudrait que je redescende d'ailleurs, maintenant que les jambes saoulent moins. Les voix? Oui, moi j'ai un truc qui lit mes tips. C'est la première fois, je l'avais activé pour tous. J'ai jamais eu Oh, autant de tips. c'est lent. J'ai. Merde, j'ai recommencé ma connerie. Ils sont où les poulets, mec? J'arrête pas de rentrer dans ton moulin et je trouve pas de poulet. Quoi? Bah dans le moulin, dans un des deux moulins. Ah, dans un des deux moulins. Ah ouais, ils sont là. Et ils ont fait Ouais. du caca? Bah je sais pas, je l'ai ramassé juste avant. Non, mais je peux juste les plumer. Quoi? Mais non, 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 les plumes pas. Non, non, ils sont censés faire pas mal de caca, mais là j'ai tout ramassé. Donc si tu veux, on peut en remettre quelques-uns des poulets à faire du caca et mettre des hoppers en dessous pour qu'ils en génèrent plus, mais. Je sais pas, attends, je vais regarder s'il reste des caca. Je pense pas qu'il doit en rester beaucoup. Oh Pourquoi t'as non, il déjà en reste que dépensé les 3! Ouais, il me faut plus de chicken manure là. Putain. Bon, attends, je vais être obligé de retourner chez Aurélien. Notre fournisseur officiel. Par contre ici, est-ce qu'on laisse ça ou pas? Qu'est-ce que. Oh non, le chat, putain, je viens de te faire sortir. Ici, je crois que je vais pas laisser un Et le mur chat est un de peu. retour! Ton chat? Ouais. Et elle aime bien rentrer, sortir, parce que c'est rigolo. Hop. Oula, il est déjà 23 h. Et ouais, ça va bientôt être l'heure du suppôt, frère. Eh, exactement. Et t'as fini ta machine? Oh, j'ai pas commencé. Attends, faut que je fasse un épisode, ça. C'est le petit stream de la détente. J'aime bien les streams comme ça. Ouais, moi aussi, Posé, ça. où on se. Où tu te fais plaisir avant tout, et en plus de ça, Exactement. t'as un rythme cool, quoi, tu vois, T'as y un a pas rythme de. tranquille. Ça me fait penser. Pareil, le stream d'hier où. Où j'ai T'étais juste sur un voyagé en Polycube, c'est ça? Elytra. À un moment, tu sais que pendant mon stream hier, à un moment, j'étais en train de bouger en Elytra, mais tu sais, en semi-AFK parce que tu tombes en fait de très très haut, tu montes en hauteur d'abord. En même temps, je faisais un des mineurs et derrière il y avait Ika qui jouait du piano. Excellent ça. C'était juste parfait.
C'est pas par ici, la maison d'Aurélien? Ah si, j'ai vu un bateau là-bas. On retourne taxer l'Aurélien Samato. Je crois que c'est chez lui. T'auras passé ta soirée à aller chez lui. C'est là qu'il abandonne pas. Putain, j'étais obligé de tout ramener. Bon, t'as du chicken de tes morts là? Bien avoir là-dedans. Ah Putain, il oui, est chaud. pouletto là. Oh! Dis-moi qu'il en a là-dedans. Oh, il a du caca! Il y en a beaucoup? Je sais pas comment on fait pour le prendre. Moi, je vais essayer d'en générer un peu plus. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup. Putain. Fence. MDR. Ouais, bah je m'en occuperai si tu veux. Je vais essayer de faire un poulailler. Je peux pas embarquer ce truc, j'ai peur de. Un drawer, non, on peut pas l'embarquer. Oh, j'ai accès à notre truc d'ici, c'est stupide. Mais oui, mais oui. Mais non, parce qu'en fait, on avait fait exprès tuer les 8 heures exprès pour ça. Tu te souviens plus? Ah, et du coup, maintenant c'est accessible de De l'infini et n'importe où, en l'au-delà, fait. quoi. C'est ça. C'est ça. Même. Allez, on en laisse 55 pour la forme. Regarde dans le truc et regarde combien il y a de chicken manure. J'en ai pas pris beaucoup. L'enfoiré. Aurélien Sama, fournisseur officiel. De Merci. caca! De Mesdames et messieurs, caca. vous pouvez d'ailleurs aller le spoiler sur n'importe lesquelles de ces vidéos et lui marquer On t'a piqué tout ton caca! Ouais, je sais qu'il y en a qui font des dons d'énergie, mais. Je pense qu'on a assez. Parce que j'ai des producteurs avec de l'uranium, ça produit pas mal. On est en 0,1400, hein, c'est ça. C'est ça. Donc merci Kezox, je ne sais pas si on fera du CSGO ce soir, je ne pense pas. Faudrait que AS déjà. C'était quand? C'était hier soir les mecs? Non, c'était avant-hier soir. Ah, je sais plus. Ouais, c'était avant-hier soir. Tu sais qu'avant-hier soir, j'ai fait rager 3 personnes. Ah oui, Sur j'ai vu 3 jeux ton. différents. D'abord, il y a J'ai eu. vu ton tweet, ouais. Fufu. J'ai mis que 2 personnes, mais en fait. Alors Fufu, il a pas rage quit, mais il a ragé sur For Honor. Ensuite, il y a eu AS sur Fufu. CSGO. Et ensuite, il y a eu IK sur LoL. C'était trop bon. Je suis fier de moi. Merci Mariko, Bobo. Merci Nicolas. Et merci Je t'aime bien chat et que vous faites un sponsor. trop bon duo. T'aurais pu dire couple en fait. Hein. Ouais. On se cache plus rien entre nous. Ah bon, t'as le même prénom que moi, tiens. Tu me diras, ouais, Mariko. J'aurais jamais Merci cru ça possible. Anarchia. Je suis en L2 archéologie à Montpellier. J'ai rien codé, je suis sur le terrain à chercher des nonos, des dents et des cailloux taillés sur des sites préhistoriques dans le Périgord pendant 2 semaines. Qu'est-ce que tu vas faire? En vrai, ça doit être cool. Je sais pas si t'es passionné. Mais en vrai, non, je pense que ça doit être cool Tu veux pas nous inviter? En vrai, on va chercher des dinos. Oh, mec. Tu la vois déjà la vidéo putaclic? Là J'ai déterré un putaclic. T-Rex. C'est exactement ça. Ah ouais, là je la vois bien celle-là. Par contre, ton coffre il me fait chier là. C'est toi qui as mis un coffre là? Ah ouais, quand on fait clic droit pour cliquer là-dedans, il mange automatiquement. On peut tout péter là ce coffre. Ouais, il s'en fout. Non 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 non. Laisse-le pour l'instant. Il y a tout ce que j'avais calculé là. Ah, trop tard. Oh putain. Ah merde, il y a de la lave en dessous. Oh putain, mec, je suis désolé. Mytho. C'était Oh too much. putain. C'était too much, ça passe pas. De toute façon, je m'en fous, au pire, j'irai me servir chez Aurélien. Wow. Ah, ça y est, ça m'a crafté mon stack. Petit coup de lave. Mais trop gros, ça passe pas. Tu l'as pas cassé. Je te connais trop bien. Je te Il connais y a trop bien. Aurélien sur mon channel Discord. Comment? Oh, mais il vient de partir au moment où je l'ai déplacé. Non, Aurélien, reviens! Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il va te frapper. Oh, en plus, un Belge qui mange des frites, qui s'appelle Aurélien Sama, à Attends. qui t'a volé des trucs, mais il va Je vais te le voir, il est péter. sur l'icube. Attends, j'arrive. Oui, Tac, 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 bonjour! tac. Ah! Oui, Mon bonjour! caca! Mon caca! Tu m'as volé mon caca! Attends, attends, faut que prof y vienne. Ah oui, mais non, il a pas le. Attends, reviens sur le.
Sur mon Discord. J'en reviens. Attends, il arrive. Qu'est-ce qu'il veut? Mon caca. Qui m'a volé mon caca? Eh ben qui? Ça dépend lequel. Eh, hey, j'ai pas volé tes machines, je suis quand même gentleman. Hein. Encore heureux. Bah je sais pas, t'as dit que t'arrêtais. Non, tu l'as su. Oui, mais j'aimerais que ma base reste intacte comme une sorte de musée de ma Exactement. Mémoire. Exactement, c'est pour ça que je n'ai piqué que ce qu'il y avait dans les coffres. Pour le moment. Je te jure, quoi. Je sais pas, ils m'ont tous dit « Ouais, Aurélien, il a arrêté FTT, tu peux tout prendre. » Je fais « Bah, ok. » Quoi? T'as les gens, quoi. Quelle bande d'enfoirés. Oh, merde. Non, mais au pire, j'ai pas pris grand-chose et on pourra le ramener en toute... En triple exemplaire. Moi personnellement, je lui ai dit défonce tout, mais bon. Eh non, les machines, j'ai tout fait pour les crafter. Je ne récupère pas. Ouais, surtout que j'avais le biodiesel. Ouais, j'ai vu ça. Tout ça hein. Ouais, non, c'est swag ce que t'as fait. T'as bien cheaté. Hein. En vrai, c'est pas mal. Bah, moi j'ai pas volé aux autres, donc ma foi. Oh merde. Je te jure quoi. Si j'étais en stream, il y a des gens qui me disent « Y'a une pierre qui te vole des trucs sur FTT !» T'as pas fait la vidéo de clôture? Non, j'ai pas fait de vidéo de clôture, j'ai fait un live de clôture. D'accord. Du coup, si, c'est grave si je t'ai piqué des trucs... Bah tu me diras, ok? J'ai piqué la pioche dans la farming station, en fait. T'as piqué ma matoc? Ma matoc? Tu sais ce que j'ai dû faire pour l'avoir? Elle est difficile à voir, non? Non, elle est chiante à voir. J'ai dû, pendant 3 heures, bon pas 3 heures, mais pendant 1 heure, j'étais en train de l'utiliser sur le sol pour monter son niveau, quoi. Comme un con, quoi. Bon, alors... il faut lui mettre 5 plaques renforcées pour qu'elle devienne unbreakable. Ah oui, bah elle est unbreakable, là. C'est un de mes trucs les plus précieux, ma matoc, quoi. Ah, je m'en suis douté, parce que j'ai vu ça, j'ai fait « c'est trop cool dirait... !» J'ai dit à prof « tu veux pas me faire la même ?» Il m'a fait « c'est quoi? Je connais pas. » Donc du coup, j'ai fait « bon, bah, je vais la prendre. » C'est une matoc. C'est cool, le bah, matoc. Si t'en as besoin, tu me diras et je te la rendrai pas. Je te jure. Il a tout piqué. Non, par contre, je casserai rien. Attends, putain, attends, t'avais pas des pulsating crystal chez toi? Ah si, non, je les ai non, piqués. Non, quoi, mais pulsating crystal, je te jure, quoi. Ah non, par contre, attends, je suis sûr que t'as un Z-Logic controller. Non, mais on a de quoi en faire. T'as une farming station, on a de quoi en faire, prof, forcément. Non, je n'ai rien du tout, non. Non, non, mais prof doit avoir ça. Ouais, on va aller, on va bien trouver ça chez toi, hein. C'est jure, quoi. Bon bah je vais continuer mon live au Licube, moi, sale voleur. Eh ben bon Licube. J'espère que tu t'étoufferas avec mon caca. Je suppose que t'as fait une ferme pour avoir de... Je suis en train. De l'éthanol et tout ça en fait. Ouais, je suis en train. Ouais. C'est long et chiant. Bon bah bonne merde, tu vas voir, ça prend du temps. C'est du caca. C'est... Ouais. Du coup tu utilises la terre qui donne un effet de bonne mille random. Ouais. Ah c'est ça, c'est ah mal. Elle sert à ça cette terre, j'ai vu que tu l'utilisais, je me suis dit ça a l'air cool, je vais faire la même. Ouais ça donne un effet de bonne mille random donc ça pose plus de vite. Ah ouais d'accord. Ah c'est cool. Bon okay. Allez, bon live FTT, à plus. A ciao. Je lui ai pas dit que je lui avais piqué bien plus que ça. Non, je vais me faire engueuler. Oh merde, tu l'électrique castile, je sais pas si on en a ça. Ouais pique-le, ça c'est bon. Il y a encore tout le monde. Allez pas lui dire cette fois-ci. Hein. Ah non, c'est du silicone qu'il me fallait, ouais. Attends, est-ce qu'on a du solarium? Mais vas-y, t'as rien, mec. Quoi, j'ai rien? Moi, je me suffis avec les petites broutilles que j'ai. Il est marrant, lui. Gold. C'est connecté une fois, il pique tout. Comment ça? Ah, attendez, j'ai du retard sur les tips. Genre, j'ai beaucoup de retard sur les tips. Trop concentré. En tout cas, je vois que ça va rapporter chez Aurélien. Bravo. Bande de balances, hein? Hein? Hein, les petites balances? Alors. Donc, merci Nicolas, merci chat sponsor, merci Anarchia, merci Kezox, petite plague à prendre au second degré. Combien de temps une femme arabe met-elle pour descendre ses ordures? Non, 9 mois. Non, c'est sale. Non! Bon, t'as bien précisé second degré. Merci Anarchia, si tu veux, pas sûr que mon maître de conf aime ça.
Là, ton putaclic, ce serait plus j'ai découvert Lucie. Oh, on fait j'ai découvert Lucie, en fait, c'est une vidéo de cul. Wow! Et non, et c'est pas cool, je devais partir dans la vallée des rois, mais l'institut FR n'a pas accepté ma requête. Bloqué dans les grottes, oh, c'est dommage. Ouais, ça peut éventuellement te permettre de voyager à terme, Tu mais. lui as rendu du caca là? Pourquoi? Bah, je sais pas, il n'y en a plus qu'un cas. Ah non, non, j'ai crafté des trucs. Ah d'accord, avec du caca. Avec du coca. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, putain. Non. J'ai bougé ton coffre de place au fait, hein. Non. Mais si, j'avais besoin de le bouger et Mais non. je travaillais pile à cet endroit-là. Ah Mais merde. méchant. Alors, j'ai une tête. Ah, il me faut du silicone. On n'a pas de silicone. Ah si, on a un de silicone. Il m'en faut deux. On a un swag 1000. On doit avoir ça, un Oui, swag 1000. ouais, dans la cuisine. Non, il est là, le swag 1000. T'es pas dans la... Ah oui, il est dans la cuisine, t'as raison. Bien vu! Ah là, c'est plutôt joli comme ça là. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Oh, je le dis tout le temps, ça. Il a fait infirmière première année, Ouais. gynéco deuxième année. Tous les bons trucs. Bah, gynéco, je sais pas si j'aimerais, bon, en fait. Hein. Non, je pense pas. J'aurais trop peur de me faire. Enfin, bon, bref. Non, ouais, en plus, tu dois t'exercer sur des femmes, je sais pas. Je me demande qui peut se porter volontaire pour ça. Sais pas. Putain. Je ne sais pas À du quand tout. les pranks? Ouais, sur l'icube. Alors, sur l'icube, j'ai ma première demi-prank qu'il faut que je prépare cette semaine, là, pour qu'elle arrive. Mais après, il faut que j'ai plank après. Bon, on a déjà pranké Sif, en vrai. Sur Alors. l'icube. Ouais, il manque l'Electrical Steel, C'est Iron, fou comme Coal, les pranks Si. intéressent les gens. Moi, je comprends pas. C'est marrant quand même. Ils aiment bien. C'est rigolo. Merde, du coup, je tape prank comme un con. Comment on fait de la colle, putain de dust? Alors ça. Bon allez, je finis ce Ah, le cold chemin-là. powder, on l'a au swag 1000? Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux, le Qu'est-ce chat? que ça? C'est quoi ça? Tu veux ma photo? Tu veux des caresses? Sensuelle. Maria, sweet sensualité. Des cladding, ça se met cut from chisel Prankoré stone. sur FTT, le mec qui a rien compris. Bon, il paraît qu'il faut que je stream le. C'est qui m'a dit ça? Est-ce que dans le chat il se reconnaîtra? Oh merde, il faut que je t'envoie des trucs, prof, au fait. Tu dois m'envoyer quoi? Il paraît qu'il faut que je stream le. What? Merde. Attends. Oh, j'ai trop de discussions sur. Le 17 février. Sinon, prof, ouais, on a. Non, bah, je te dirai hors stream en fait. Hop. Ah bah je sais alors ce que tu vas me dire, c'est bon. Que d'une grosse bite? Non, bon je pense pas en plus. Mais du coup, ouais, tu sais. Mais je t'ai vu, ouais. Hein? C'est un peu le téléphone arabe. Je suis pas Si, sûr qu'on parle de la même chose. si, 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 je t'ai vu sur Discord dans un channel il y a Ok. hier ou avant-hier, Il donc y c'est a. Ok. ça? T'as vu comment je lis dans tes pensées? C'est beau ça. Ouais, le chat, il est là en fait. Il est en train de se toiletter. Elle est en train de se toiletter sur le tapis de souris. Elle aime bien se lécher sur mon tapis. Ah! Il y a des enfants qui regardent. Bah, c'est un chat. Où est le mal? Non. C'est bien, on va réussir à refaire la ferme ce soir. Je veux pas que t'aies trop tard parce que il y a les parents qui dorment. Ouais, moi de toute façon là je vais pas tarder, j'ai bientôt fini ce que je voulais faire, mon petit chemin et tout. Donc...
Voilà, j'ai fait le Oh, c'est chemin le d'en petit haut. stream de la tranquillité. Ouais. Et puis je crois que je vais aller voir regarder un petit truc avec ma femme, tranquillement. Tintin. Quelle heure est-il? Eh ben Attends. écoutez, ouais, je pense que moi je vais Je reviens. m'arrêter là. Tranquille. Bon, bah les gens, du coup, on va en profiter sur le chat. Sur tous ceux qui sont chez Apierre, vous pouvez venir chez moi, c'est gratuit. Restez pas trop chez lui. Parce qu'on va dire que voilà, quoi, le gars, il sert pas à grand-chose. Vous avez vu, il a même pas fait une machine en une heure. Donc ne lui dites pas, bien évidemment, que j'ai dit tout ça. Aujourd'hui, sachez que c'est un homme que je respecte pas du tout. Attends, qu'est-ce que je pourrais balancer sur lui? Attendez, ouais. Eh putain, attends, on va balancer une photo, un truc de ouf. Je dois bien avoir une photo. Une photo où je lui ai mis une fessée. Ou... Attends. J'ai une photo de lui à moitié nu, ça compte? Genre, il est torse. Ah, dans la piscine, en petit caleçon. J'ai une photo de lui en caleçon. Ça peut être bien, ça, quand même, non? Il va pas être content. Allez. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Alors attends. Où est-elle cette photo? Ah non, je ne l'ai pas sur cet ordinateur-là. Sinon, je vous l'aurais montré. Je vous l'aurais montré sur mon truc. Bon, sur ce, les jeunes, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort. Bisous. Ciao tout le monde. Merci à tous les modos. Prof, qu'est-ce que t'as dit? Prof? Moi? Moi, catapulte? Parce que là, j'arrive et je vois What the fuck, please, prof, what the fuck? Balancé dans le chat, balancé. Le caleçon, la violence d'un homme. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah merde, ça fait réagir ton chat, et putain. Et moi, du coup, j'ai récupéré 200 personnes qui vérifient si ce que j'ai dit, j'allais le faire. Mais non, 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 je Prof ferai dit des ça plus trucs pas tard. bien, ok. Apparemment, t'as misé un truc sur du caleçon en mode un peu dégueulasse. Ah mais t'as commencé à déraper. Pierrot, prof, essaye de te doubler. Il voulait balancer une photo de toi en caleçon. Attends, laquelle? Mais t'es pas censé dire ça, putain. On avait répété pourtant. Mais non, mais parce qu'il y en a une. Mais je sais pas si tu l'as, je crois pas. Il y en a une qui fait partie des photos dossier. Non, moi j'ai un seul dossier sur toi. Un seul que je tiens fermement. Ah ouais? Lequel? Un gros dossier. Lequel? Ouais, je peux pas trop en dire aussi, tu vois, mais c'était ça s'est passé le soir du Nouvel An. Quoi que j'étais complètement HS? Non, bah non, non, bah non, bah non, ça va, tu tenais encore, t'étais fatigué, mais. Je me souviens plus. Tu te souviens plus quand t'étais dans le canapé que je t'ai relevé, je t'ai dit viens. Ce que je t'ai fait. T'as fait de la merde, ça, je m'en souviens. Sur une chaise. Non, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que tu m'as fait sur une chaise? Tu veux que je te renvoie la vidéo? Oh oui! Oh merde! Oh oui, t'as un sale dossier sur moi. un vrai de vrai. Genre, je le tiens par les couilles, les Non, gens. non, jamais Je trouve ça, que c'est ça pas une sort. blague. Jamais ça sort. Là, alors, je peux le dire très honnêtement, le jour où ça sort, c'est qu'on n'est plus amis. Ouais, Ou qu'on le sera plus. je pense qu'on est plus amis après ça. Enfin, putain. Merde. Ouais, Il y a du monde sur ton stream, en fait. Tiens, je vais aller voir ta tronche. Pourquoi t'as arrêté toi? À l'instant, ouais, pendant que t'étais en pause. Ok. Ouais, je vais aller voir ma femme. Amp. Ouais, il y a 5 500 personnes, je crois. Un bon petit stream à des Calitax. Ouais, t'arrives bientôt à 1 500 000 là. Oh, je suis pas 1 400 000, non? Il y a le temps, plusieurs mois là. En 5 6 mois, ouais. Ça va lentement maintenant. Mais ouais, ça progresse petit à petit. Moi aussi, un jour, tu auras le droit de faire ma voix off sur Tu l'as vu? la T'as capté que c'était moi. vidéo de Je reconnais ta voix, mec. Sifano. Ah putain, mourir de rire. En plus, je sais même pas pourquoi, d'où ça lui est venu. Il m'appelle, il me dit, ouais, tu peux m'aider.
Je sais pas, ouais, si t'as besoin d'aide, dis-moi, quoi. Il me dit, tu peux me faire le son quand tu m'avais chanté la chanson la dernière fois. Je fais quoi? De quoi il parlait tout? Mais si, puis tu sais, il me mime le truc au téléphone. Ah, je fais, ouais, putain. Et c'est vrai que dans Arc, il y a des fois... des fois, il est sérieux, parce que je lui dis, mais mec, vas-y, viens, on s'en fout, on part à la YOLO, on s'en bat les couilles, on meurt, quoi, tu sais. Et donc, pour détendre l'atmosphère, je lui chante des petites chansons et tout. Attends, je mets un pouce bleu sur ta vidéo. Ah, vas-y. Eh, tu connais le plugin Social Blade que tu peux rajouter sur YouTube directement? Et ça te montre quoi, toutes les stats? Là, je suis sur ta vidéo et à côté, j'ai toutes tes stats, ouais. Non, vas-y, tu vois quoi? Dis-moi ce que tu vois. Alors, tu es de grade B+, actuellement. Tu as, tu es 2110e au rang mondial et 1970e en termes de vidéos placées. De vidéos vues, tu veux dire. Tiens, c'est bizarre. Ton network, il marque que c'est Social Blade Legacy. Et ouais, c'est parce que je suis un vieux de la vieille, moi. Non, c'est parce qu'à l'origine, le network, c'est Social Blade qui a été racheté par Maker quand Maker s'est créé. Et c'est pour ça qu'il l'appelle comme ça, parce que je fais partie d'un vieux truc. D'accord. Ensuite, tu aurais gagné exactement ce mois-ci, et que j'adore le exactement, hein, entre 2 700 € et 43 000 €. C'est quand même vachement précis. C'est une belle fourchette. C'est une fourchette extrêmement bien précise. J'adore. Ensuite, tu as eu 21 000 personnes supplémentaires ce mois-ci avec une augmentation de 38%. Tu as fait 10 843 857 vues ces 30 derniers jours avec une augmentation de 25%. Nous pouvons tous te féliciter. Ouais, oh bravo. Ouais, bravo, on t'aime. Ouais, super. Bon, ok. 671, c'est la moyenne par jour d'abonnés que tu récupères. C'est une très bonne moyenne. Et tu as fait 353 239 par jour en moyenne. Ce qu'ils mettent sur le site. Ouais, ok. Ouais, c'est la même chose. Mais ça évite d'aller directement. Voilà. Quand tu switches d'un utilisateur à un autre, tu sais. Enfin, moi, par exemple, je regarde une vidéo chez quelqu'un ou quoi. En fait, t'as tout de suite à côté son Social Blade. Donc, du coup, tu vois si c'est quelqu'un qui fait une vidéo de temps en temps. Oui, ou quelqu'un qui a explosé récemment aussi. Ça va être intéressant pour ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord. Ouais. Donc du coup, dans le chat, vous pouvez lui mettre un max de GG. Les modos, vous pourrez me remercier. Je vous invite à écrire le maximum de fois le mot sexe durant toute la soirée pour son live. Étant donné que je vais y aller, je veux qu'on pourrisse un petit peu le chat en mon honneur. Merci. Je vais bientôt arrêter de toute façon. Bon, je t'embrasse en tout cas. Je te fais des bisous et bonne soirée à toi alors. Ouais, à toutes. Ciao. À toutes. Ciao, ciao, ciao. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'on peut dire des bêtises sur lui maintenant? Ouais, il est parti. Balancer. Non, pas du tout. Non, bah c'était cool, petite soirée tranquille, je vais pas trop tarder moi non plus. On a fait un chant. Non, en vrai, j'ai tout préparé, donc c'est bien. Faudrait qu'il décore un petit peu par ici, mais je pense qu'il y a moyen de faire des jolies choses. Et derrière, ça sera juste de la liaison, mais je pense que je ferai le... avec des petits câbles qui passent partout. Ah, il a fait ça pour les animaux. Je pense qu'on peut faire une hutte ici. On a la place. Je mettrai les machineries ici avec le... Le biodiesel, peut-être un petit peu plus loin. Il y avait des champs classiques. Là, c'est du fermenté, ça ou pas? Non, c'est du humus, c'est autre chose. Ah, mais il a des fluid pipes, excellent. Donc ça, c'est bien, on pourra s'en servir. Et ça y est. Et ça y est, ça part en sexe. Ta-na-na. Bon bah sexe. C'est bon, on peut laisser spammer. Mais non, on va rester tranquille. Bon, c'était sympa. Est-ce que vous avez kiffé le petit duo? On devrait refaire ça plus souvent, les Feed the Trouduc. C'est en mode un petit peu... Enfin, au-delà de la série, mais avec prof, en mode un petit peu... Enfin, c'est pas de la libre antenne, mais discussion tranquille. Je trouve que c'était cool. Bon, on fait pas grand chose en termes de... Mais c'est purement détente, quoi. De toute façon, c'est le but des streams aussi, de pas trop en faire. Pourquoi il y a un nom là-dessus? No... Pourquoi j'ai un truc qui est écrit? No... J'ai généreux, c'est ça? Oh, du coup, attendez, il a fini le petit chemin. Oh, regardez, avec les tonneaux. Eh, mais c'est trop cool ce qu'il a fait.
Il a fait le petit chemin avec les tonneaux et on arrive directement ici. C'est bien foutu quand même. Là, j'avais pas vu, mais on a un petit truc. Et là-haut, le grand arbre. Ah ouais, c'était mode full détente. Non, mais c'est cool. On a fait quand même le truc. J'ai compris comment ça marchait. J'ai rassemblé tous les blocs. Je sais pas où il a bougé mon coffre là-bas, je pense. Celui-là. Il m'a mis des fleurs dedans. Il est trop con. Du coup, il n'y aura plus qu'à construire les machines, mais je pense que je le ferai en épisode. Je voulais refaire un épisode quand même. Voilà. Merci à Lion666. Je lui ai demandé à quand la rediff pour For Honor. Ah oui! Je vais la monter là. C'est pour ça que je vais cutter. Je vais la monter. J'ai la vidéo de Ghost Recon à faire aussi. Je voulais la sortir ce week-end, mais en retard. Mais je vais la monter. Elle sortira demain du coup. Quand tu seras. Enfin, la monter. Je vais juste cutter le début qui était chiant. Parce qu'on a eu des soucis, et je vais mettre tous les fights, après je le mets en brut. Mais voilà. Quand tu seras à 2 millions, 24 heures de stream. Merci Nicolas. Elle sera sur la chaîne de Rediff par contre, For Honor. Non, c'est parce que je me tiens pas droit, regarde. Mais en vrai, le fauteuil est très très haut, c'est juste que je me tiens, je suis bien calé. C'est pour ça que je descends tranquillement. Bon, bah écoutez les mecs, on va en rester là pour ce soir. La petite reprise de FTT, on essaiera de se caler un petit stream comme ça, de FTT. Le dimanche soir, ça peut être sympa, en mode pas trop long, tranquillou, et puis voilà. Faut remettre une houe dans la machine. Il y en a une, elle est là. Ah, dans l'autre. Ah, il y avait écrit no houe. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, de toute façon, on n'a pas l'énergie, il faut que je câble. Je pense qu'on fera un poteau ici. Faut que je câble avec le poteau qui est là-bas, si je dis pas de bêtises. Ah, il est en élevé le poteau là-bas. Donc plutôt là-haut, on le fera passer sur le chemin ici, sur l'arbre, et on le reliera ici. Mais voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit à tous. Ciao, ciao, ciao.